Let's play hide and seek. Run away from me. 7, 8, 9, 3. How are you hiding? I'm here. In the dark you can't see. Sweating from your fear. 12. One step, I'm near. 13. Your death. Your shadow waits in the under the moon and the dead tree.
Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, la 71e, 71e émission de Hashtag Twitch. Ce soir, voilà l'invité, on l'a mis, c'est Casper le fantôme, muet, sourd, muet, aveugle, voilà. Il est avec nous, mais en tout cas, vous ne l'entendrez pas, mais il est bien avec nous. Mais surtout, on a une belle équipe qui est présente avec nous. Zed va arriver bientôt, donc Zed n'est pas encore là, c'est pour ça que je ne vais pas le présenter. Mais on a d'abord, on va commencer par Alpa. Salut Alpa. Salut tout le monde. Est-ce que tu as la forme? Là, on va discuter aujourd'hui. Là, on va voir comment est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez mangé au matin et tout, quoi. Mais raconte-nous tout. Est-ce que la semaine s'est bien passée? Ouais, ben là, je suis en train d'ouvrir ma duvel, là, donc pour commencer, pour bien commencer la soirée. Et sinon, la semaine s'est bien passée. Voilà. Alpa, t'arrives toujours à réunir la France et la Belgique, tu vois, à travers des villes et des bières, tu vois, Saint-Étienne, duvel, tu vois, c'est parfait. On peut pas faire mieux au niveau francophone, c'est vraiment cool. Exactement. Et je le présente en dernier parce que monsieur a peut-être attrapé le melon, vu qu'il s'est passé des grosses choses qu'on verra dans les actualités, mais on va appeler monsieur Darcel à la barre. Le meilleur pour la fin, ouais. Bah, le meilleur de l'équipe ce soir, ça c'est sûr, pour l'instant. Le moins pire. Le moins pire. Mais Darcel, comment tu as vécu cette semaine, sans rentrer dans les détails, mais toi tu as une bonne semaine à Tricaine, en tout cas. Semaine exceptionnelle. J'ai inscrit, enfin vous verrez plus tard, mais j'ai inscrit mon nom quelque part. C'est incroyable. Ça, c'est beau. À jamais dans l'historique du jeu, en tout cas, et ça fait plaisir. À jamais, pas les premiers, ouais. Et alors, on n'a pas d'invité, voilà, ce soir, voilà. On vous annonce ça. On va bien évidemment combler, vous savez qu'on est professionnel là-dedans. Mais je me suis dit, si vraiment on manque de meublage, j'ai peut-être prévu quelque chose en deuxième partie d'émission. On verra ce qu'on va faire, on ne sait pas encore, mais tout ça sera un peu surprise. Mais même pour nous, ce sera la surprise, donc on verra en tout cas. Mais d'ici là, on a quand même plein de chroniques, plein de rubriques, il y a quand même de quoi faire, en tout cas dans la première partie. Je pense qu'on pourrait peut-être faire une prédiction, parce qu'il est déjà 20h et les gens aiment bien prédire avec leur point de chaîne. Est-ce que Darcel, tu sais comment faire ou... Ouais. Parfait. Alors, la prédiction... La prédiction, elle sera sur France-Chypre, je pense. Tout à fait, ouais. Gros match Chypre-France, encore. Chypre-France. Ah oui, Chypre-France, oui, pardon.
Hop, parce que c'est un match très important en Coupe d'Europe et on est un peu dans un cas de figure où la France doit gagner. Alors, si tu peux montrer le classement à la ligne pour que les gens voient, mais la France est cinquième, elle est pas très bien placée pour l'instant. Tout à fait, attendez, je vais vous afficher ça à l'écran. Alors attention, tac, 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 tac. Donc effectivement, donc c'est la Coupe d'Europe le 8e tour, donc il reste 3 matchs. Et la France est ici. C'est ça, voilà. Et Chypre est bon. Normalement, Chypre. Ah, je sais pas que Chypre était aussi bas par contre. Chypre un peu abandonné, on dirait, non? Effectivement, ils sont très très bas. C'est sûrement qu'ils font Ah, j'allais dire une Golden Generation, mais non, peut-être pas. Quoique, si, ça doit être ça. Je vais regarder, je vais enquêter, mener mon enquête. Ouais, parce que c'est vrai qu'à un point moins 28 buts. Donc voilà, en tout cas, alors, prédiction quand même plutôt possible pour vous, en tout cas. Je confirme, en fait, Chypre, au match aller, j'avais dit, ils font une génération de joueurs de 22 à 28 ans, il me semble. Ah, ben voilà. Mais est-ce qu'on Donc annulerait pas 22-26 ans. est-ce qu'on annulerait pas la Oui. prédiction? On n'en ferait peut-être pas une autre, parce que là, j'ai l'impression que le score, enfin, je veux dire, normalement, ça va être sans équivoque, non? De combien de buts va gagner la France? Ah, mais ça, non, mais Oui, voilà, c'est ça c'est bien. à fond, c'est mieux, tu vois. Genre, on pourrait dire, genre, Allez. moins de 3, entre 3 inclus et 5 inclus, ou plus de 5, tu vois, un truc dans ce style peut-être. Enfin, je sais pas exactement, mais tu vois, il faudrait trouver un truc dans ce style, quoi. Ça, c'est une Eh bonne ben, prédiction. j'ai annulé la prédiction et j'ai rendu les points de chaîne normalement. Ouais, tout à fait. Hop. Et on va faire ça comme prédiction. Parce qu'effectivement, en face, c'est une Golden Generation. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le principe de prendre des joueurs très très jeunes. Parce qu'en équipe de France, enfin en équipe A, en général, les joueurs, ils ont entre 28 et 30, 32 ans à la grosse louche. Et là, le but d'une Golden Generation, c'est de prendre des joueurs très très jeunes et de leur donner de l'expérience, de les peaufiner, de les rendre parfaits, parfaits pour les prochains mandats. En fait, ça, voilà, ils sont pas top actuellement, mais ils le seront dans le futur, quoi, en fait. C'est ça. Avec l'expérience en plus, quoi. Et ouais, dans le chat, on vous oublie pas, bien évidemment. Calpe Popette, Xav, Mev, Jaomico, Kaker le Bel, Chef Lindois, Todajam et Petit Bac aussi. Todajam qui nous dit, je vous écoute un peu en live, mais après je dois dormir, je bosse à 3h30, donc dur. Courage à toi, en tout cas. Effectivement. Écoute, on va te bercer avant de t'endormir, en tout cas. On espère qu'on va te bercer avec notre douce voix. Mais c'est cool, en tout cas, de passer. C'est cool de nous faire un petit coucou. Et ça du petit club aussi. On va suivre tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, vous voyez, on prend un peu le temps parce qu'on a plein de choses à dire. Mais bon, on a toute une soirée à tenir aussi. Mais par contre, ça serait peut-être l'occasion de vous demander à vous dans le chat comment est-ce que vous allez. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Normalement, j'aime bien dire, soit vous dites comment est-ce que vous allez, ou soit peut-être une note entre 1 et 10 sur votre morale. 10, vous allez très bien. Non, 10, c'est vraiment genre, c'est le plus beau jour de votre vie, là maintenant. Et 1, c'est genre. Ouais, bon, c'est le pire jour de votre vie, quoi. Et en parlant de chiffres, du coup, j'ai lancé la prédiction. Alors, c'est assez simple. Chypre-France, victoire de combien de buts? J'ai tourné la phrase comme ça parce qu'il n'y avait plus de place. Ouais, c'était Et du difficile. coup, vous pouvez choisir soit 1 ou 2 buts, soit 3, 4, soit 5 ou 6, soit 6 ou plus. Bah, très bien. Belle prédiction. J'aime bien cette prédiction. Franchement, tu vois, il y a un côté. Bon, maintenant, si la France elle perd, c'est honteux, tu vois. Je le dis, voilà, j'annonce. Ça serait horrible. Si la France elle perd, on prendra la première réponse, c'est-à-dire un ou deux. Ok. Donc on peut partir là-dessus. Alors, BZH, bip bip. Ça ne répond pas à la question. Si, on ne nous aime pas, nous le chat, on est mis à l'écart. Mais pas du tout, mais non, là on discute avec vous en plus. C'est vrai que En d'habitude tout cas, on se moque du chat, mais là non, pas ce soir. On a besoin de vous. Oui, en tout cas, si ça non mais peut vous aider dans c'est la prédiction, c'est que il y aura du but parce que la France, en termes de ratio, elle a un très très gros milieu de terrain. En face, ça joue en contre-attaque, mais la France a une très très grosse attaque sur deux fronts. Donc ça va, il y aura du but. On va regarder Ça, ça c'est effectivement. Effectivement. sûr. Non, Bien. mais Scalper Popette, il est vénère parce que ça fait 2 semaines qu'il trouve plus de yaourt à la poire dans son supermarché, donc forcément ça irrite. Il est en manque. Ah ouais, ok, c'est ça, Il c'est en le manque. manque qui parle là. Tu ne nous lis plus comme avant, Dapidu. Le chat, ne soyez pas jaloux, ne faites pas une crise de jalousie. Attention, première action perdue, enfin ratée malheureusement pour la France, ça c'est dommage en tout cas. Ouais, parce qu'elle est tombée du mauvais côté. Il nous Mais aime bon. plus.
La France risque d'avoir une bonne dizaine d'occasions, donc on a le temps de marquer. Et encore une nouvelle occasion. Après, on passera sur les autres matchs. On va regarder bien évidemment les autres matchs aussi. Mais si on vous aime, le chat, ne vous en faites pas. Je préfère comme c'est vrai que les gens de YouTube sont plus sympas, mais on vous aime bien quand même sur Twitch, hein, bien évidemment. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Ah là, tu vas plus venir en live. Ouais, c'est ça, tout le monde. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens en direct. Hein. Les gens préfèrent aller maintenant. En fait, je suis plus C'est sympa avec les pas gens sur agréable. YouTube. Et les gens sur YouTube, ils ont bon, là, tu vois. Là, maintenant, ils disent, ah ouais, tu vois, ils nous préfèrent nous et tout. Ouais. Ah oui, mais des petits pouces bleus, tu vois, tu sais, ces petites attentions qu'on n'a pas dans le chat Twitch, tu vois. Pas du tout, quoi. Ok. Et... Quoi? Et bah but de chip. non, mais Bon. ça, c'est nous, tu vois. Je sais pas comment dire. On a un talent Alors, pour ça, tourner tu prédiction, mais but de chiffre, effectivement, qui en plus marque au centre, qui n'est pas vois. son meilleur côté. Donc, 1-0 pour Chypre, voilà. Donc, on va peut-être refaire la prédiction, en fait. Hein. Non, mais attends, mais c'est un truc de fou. Là, non, mais c'est le match que la France, voilà, normalement, doit gagner. Voilà, c'est que le début, bien évidemment. Mais. Toi, t'as marqué quoi? Victoire de combien de buts? C'est pas combien de. Eh C'est oui. buts d'écart ou c'est buts marqués, en fait? De but d'écart, but d'écart. Ok. C'est que j'avais plus de place, donc Oui. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit, effectivement. j'ai fait au mieux. Incroyable. On va passer sur les autres matchs et puis on suivra bien. Quoi qu'il y a, attendez, peut-être encore une occasion. On va suivre quand même ce match-là aussi. Bon, il y aura les actualités, il s'est passé des choses. On a reçu des messages dans la tribune des supporters. Enfin, tout ça, on va voir ça avec vous, hein, de toute façon. Voilà, c'est un carton. Donc, il y a Croatie-Belgique aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'être assez équilibré. Croatie-Belgique. Donc, ça, c'est toujours bien évidemment chez les A, hein, la Coupe d'Europe. La Belgique, il doit aussi gagner. La Belgique n'est pas très bien au niveau du classement. Et. C'est un peu la même situation que la France, avec la Belgique qui est cinquième qui joue contre le sixième. C'est Ouais, c'est exactement ça. pareil que la France. Sauf qu'en face, bah, la Croatie n'a pas du tout abandonné. Elle n'a pas une Golden Generation ou quoi que ce soit. C'est une équipe à peu près normale. Et ça se voit d'ailleurs sur les ratios parce que bah, d'ailleurs, la Croatie vient d'ouvrir le score au moment où on regarde. Effectivement. Avec des compositions qui sont assez similaires. C'est du gros 50-50 qui est en train de tourner pour la Croatie. Vous l'aurez compris, on porte toujours la poisse aux équipes qu'on supporte. Hein. Bien évidemment, ça n'a pas changé. Et alors, en fait, à chaque fois qu'on regarde un match, à chaque fois, il y a un but pour l'autre équipe, tu vois. Ah ouais. Attention, Bah petit en même club, hein. temps, On va arriver sur le Sénégal. en même temps, la Belgique n'a pas la possession, donc C'est vrai, ils peuvent c'est rien faire sans ça. vrai. Prochain match, toujours la Belgique. Chez les U21, c'est chez les... Oui, Oui, les U21, 21. la Coupe du Monde, tout à fait. C'est le cinquième match, donc là, on arrive vers la fin. Victoire obligatoire pour la Belgique aussi, contre l'Ouganda. Alors, Ouf. obligatoire, pas forcément, il y a encore une situation où ils peuvent s'en sortir sans gagner, mais ça devient de plus en plus nécessaire de gagner, on va Voilà, dire. pour essayer de passer au Et... T3, ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, là, ils jouent contre l'Ouganda, qui est premier et qui est presque qualifié, pas encore. Et là, c'est assez serré entre les deux. Il y a quand même un bel avantage à la Belgique parce qu'ils ont des beaux fronts d'attaque. Quand même, j'avoue, franchement, la Belgique est pas mal au niveau attaque. Voilà, je mettrai une petite pièce sur la Belgique. Ouais. Et alors, le dernier match. Alors ça, c'est un peu notre match. Allez, la petite cerise sur le gâteau, c'est le Sénégal hein, qu'on avait reçu petit club la semaine dernière qui nous a expliqué un peu son parcours incroyable avec le Sénégal. On espère que le parcours va continuer. Et Sénégal, Oman, c'est ça on dit? Oui, c'est Oman. 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 Je m'y ferai jamais. Je crois que j'arriverai jamais à le Ouais. prononcer. Sénégal, Oman. T'es sûr, c'est Oman? Ok, ouais. Oui, c'est Et Oman. c'est Omen, non la marque d'ordinateur, mais Ouais. ok, Oman. Et donc le Sénégal qui a une carte à jouer en fait dans ce match et qui pourrait, voilà, en cas de bon résultat, revenir dans les deux premiers, je pense, si on regarde le classement. Enfin voilà, en tout cas c'est très serré hein, dans le classement, donc voilà. Et Et c'est pas du coup, mal. on est sur un cas assez classique qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire une équipe qui joue la possession et qui essaye d'attaquer un peu partout, et une équipe qui joue la contre-attaque qui s'est concentrée sur une monolatte. Donc, ça, d'un côté, ça joue la chatte, si vous me permettez le terme, et du côté du Sénégal, c'est une compo beaucoup plus classique, avec du coup un petit avantage. Ok, en tout cas, ça va être intéressant de suivre tous ces matchs-là. Je vois dans le chat, ça. Notre sélectionneur A est un Kramnik, mais je crois qu'à Cœur Lebet, tu l'avais déjà dit ça. Alors, je sais pas si c'était le même ou pas. Attends, ça a changé peut-être depuis. Mais voilà, en tout cas, le sélectionneur belge qui ne fait pas l'unanimité auprès de Cœur Lebet.
Un cremix, c'est un pain au sucre. Ouais, on marie la Belgique et la France hein, dans le chat, donc bien évidemment, pour faire des expressions. Déjà, entre la France au nord et la France au sud. C'est qui le sélectionneur belge? C'est Mou. C'est Muncher. C'est Muncher, ouais, c'est le gars qui a 29 ou 30 mandats dans les pattes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, je pensais qu'on pouvait le voir ici directement. Bon, on va regarder là, ici. Mais je pense que c'est Muncher, je suis quasiment sûr. Ouais, c'est ça, Muncher. Donc, c'est un cramique d'après Kaker le Belge, hein, bien évidemment. Il faut toujours préciser. On est frères France et Wallonie. Mais bien sûr. Et Bruxelles. Et les Flamands aussi. On prend tout. De toute façon, la Wallonie est française, non? Non, pas encore. C'est la France qui va être attachée à la Wallonie, tu vois. C'est la France qui va devenir Wallonne, quoi, tu vois. Je pense que d'ailleurs, ils sont en train de partir en France, ouais, peut-être. Je pense que les Français, peut-être là, ils pensent tout doucement à se dire, oh, on voudrait bien être belge finalement. Tu vois, comme vu le bordel que c'est en France. Et la Wallonie, c'est pour ceux qui veulent aller au Luxembourg et qui peuvent pas. Ils se rabattent sur la Wallonie. Ouais, c'est ça. C'est le Luxembourg du pauvre, tu vois. C'est ça. Et donc voilà. Dans le chat, vous m'avez même pas répondu. Hein. Comment s'est passée votre semaine et tout? Vous avez même pas dit, vous avez esquivé. Oui, il y a Gaomiko qui a répondu. Il a dit 5. Ah oui, effectivement. Merci Gaomiko. Mais on ne parlera plus que à Gaomiko. Pas facile à dire. Voilà, c'est le seul qui répond. Voilà, pas de soucis. Non, c'est pour rire, on vous aime bien le chat. On aura besoin de vous ce soir en plus. Hein. De toute façon, là, on compte vraiment sur vous pour aussi discuter, pour meubler avec nous. Mais je pense qu'on peut passer peut-être aux actualités. Il s'est passé quelques petites actualités cette semaine, Alpa. Ouais, alors, on garde le meilleur pour la fin. Hein, donc, on va commencer tout d'abord par dimanche dernier. Il y a eu le record du jeu des derniers... Enfin, une tentative de record du jeu des derniers postes. Globalement, pas mal de gens ont participé. Moi, j'ai spammé pas mal de gens sur le Discord de HT Actu. Au passage, je m'excuse pour ceux qui s'en foutent totalement. et donc, du coup, le jeu du dernier poste a été. Enfin, le fil du jeu du dernier poste du record a été clôturé en 11 minutes. Donc, loin derrière le record de 6 minutes actuel, qui est co-détenu par les Français et les Italiens. Mais voilà, bon, 11 minutes, c'est quand même belle faire pour fermer un sujet de 1000 posts. Ouais, c'est quand même 1000 messages en 11 minutes avec toute la communauté. Quoi. C'est quand même pas mal, c'est quand même beau. C'est ça. Bon, on dénoncera pas ceux qui, les gros contributeurs qui n'étaient pas présents. Hein. Vidéo Inou, il y a Job. Pardon, excusez-moi. voilà. Mais bon, oui, globalement, c'est pas mal. Quoi. Il y a même des Italiens qui ont participé. Voilà, c'était cool. Ok, cool. Scalper Hippopette, c'est la liste des absents, c'est bien, hein, Scalper Hippopette. Hein. Comme ça, moi, ce sera pas si proche d'actu. Ensuite, il y a eu un petit maillage T, une petite info du jour, enfin, de tomber en début de semaine, c'est sur la recherche dans les forums. Oui. Voilà, tu vas sur la page Monde Info, tu veux, normalement, c'est pas grand chose, hein, donc c'est juste pour faire des recherches de mots-clés dans les forums sur le sujet de mid-post, ça peut servir. Sur le jeu du dernier post, c'est pas forcément intéressant, mais bon, sur un sujet global, sur un sujet DHT, ça peut être intéressant. Hein. En fait, tu vois, quand j'ai vu cette news, je me suis dit, cool, on va pouvoir faire des recherches sur tous les forums de manière générale, tu vois. Et en fait, justement, ils précisent que non, c'est pas encore possible par rapport au fait que ça pourrait saturer les serveurs. Mais donc pour l'instant, si je comprends bien, on peut faire des recherches sur des posts précis. C'est-à-dire, on va sur un post précis, on peut faire une recherche dans ce post-là sur des mots-clés, mais pas sur le forum en entier, hein, c'est ça. Sur un thread précis, ouais, un sujet de discussion précis, ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir la recherche aussi. T'imagines, tu pourrais... Enfin, l'utilité, ça serait quoi? Par exemple, tu cherches des avis, des exemples sur des joueurs imprévisibles, et bah, tu pourrais aller dans... assistance et questions, et taper imprévisible et voir tous les messages où il y a le mot imprévisible, tu vois, ça pourrait être pas mal. Enfin, tu vois, il y aurait une utilité, mais bon, c'est dommage que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Espérons que ça vienne un jour, ça serait quand même cool, je trouve. Ouais, c'est clair, hein. C'est une première étape, mais bon, voilà. Je sais pas ce qu'ils en pensent, les gens dans le forum, s'ils ont pu tester, mais voilà. Vous en pensez quoi dans le chat? Est-ce que c'est utile pour vous? Vous l'avez utilisé, pas utilisé? Vous vous en moquez? Dites-nous un peu votre avis sur ça, effectivement. C'est une bonne question de voir un peu. Toi, Darcel, tu as un avis là-dessus, pas spécialement? Bah, moi je suis un peu comme toi, j'attendais une recherche globale, mais je comprends aussi le défi technique derrière. Ouais.
Et sur les sujets, ça peut être utile, oui, effectivement, dans certains cas. Par exemple, sur le manuel non officiel, si je cherche précisément quelque chose, moi, ce que je faisais un contrôle F. Mmh. Et c'était pas très pratique. Là, d'avoir une recherche intégrée un petit peu plus propre, c'est une bonne chose. Ok. Dans le chat, je pense que les gens n'ont pas d'avis pour l'instant. Il n'y a pas de réponse, on ne voit pas de réponse. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, on peut chercher, mais je crois par titre de sujet, je pense, dans les forums de manière générale. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Par titre de sujet, ou par auteur, sinon, je crois. Par auteur, ou ouais, c'est vrai. Par date. C'est vrai que tu as aussi par auteur. Non, je n'ai pas entendu la question. Non, la question, c'est par rapport à ce nouveau MyHT, si des gens trouvent ça utile ou pas, en fait, la recherche dans les forums, mais que sur. Enfin. Que sur les messages pour l'instant précisément, donc sur un message précisément pouvoir faire une recherche par mots clés. Le forum est quand même dépassé, dit Petit Club. J'ai un avis très tranché sur la question, mais je la garderai pour moi. Ok. Écoute, pas trop d'avis en tout cas pour l'instant. Est-ce que je vais juste vérifier si Z est là? Non, Z n'est pas encore là. Ok, Z devrait arriver bien évidemment. Hein. Il a une petite galère de dernière minute, mais ça peut arriver. Ok, donc belle actualité, mais il y a eu des plus belles actualités cette semaine, hein, je crois. Alors, avant-dernière actu, avant de passer à la plus belle, pour ceux qui vont sur Stage, les HT ont essayé de relancer un nouveau bureau mis à jour. Alors, ils avaient commencé à travailler dessus, après ils étaient revenus en arrière, mais bon, donc du coup, sur Stage, si vous allez sur votre bureau, c'est un peu, ils vont un peu réorganiser les choses. Ils mettent tout à droite. Alors moi, je trouve pas ça très pratique. Moi, j'aimais bien quand le secrétaire faisait des annonces et qu'il popait comme ça en disant voilà, et tu es passé au suivant. Là, c'est tout à droite. C'est pas forcément top, mais bon, voilà. Je sais pas si y en a qui est dans le chat qui ont utilisé cette nouvelle version. Moi, je suis pas spécialement fan. Et en plus, pour faire un petit peu l'historique, vous avez fait une première version de ce bureau. Qui avait eu beaucoup d'avis négatifs, à mon sens, à raison. Il y avait pas mal de choses à revoir, et ils sont revenus avec une deuxième version, pas franchement mieux, effectivement, donc c'est pas très convaincant. Ouais, typiquement, il y a un truc que les gens ont demandé beaucoup, c'est quand tu cliques en haut à gauche sur le bouton Add Trick, ben, t'as la langue, tu peux changer la langue des fois pour passer ton HT en une autre langue par exemple, et là, on voit que ça marche toujours pas, quoi. Alors que c'était un truc qui était vachement demandé par les gens lors de la première version, quoi. Donc c'est un peu rageant. Hein. Ok, effectivement. J'ai peur sur Stage, je n'ai pas pu voir ça, mais. Ok. Est-ce qu'elle parle? C'est un pénal qui marque un péno, visiblement. Bravo. Ah, bien joué, bien joué. Ouais, j'ai vu qu'il disait qu'il allait utiliser les pénalties, donc bien joué à Scalpel et Popette, en tout cas. Et là, j'ai mis l'écran. L'écran est tout blanc parce que. Ouais, c'est ça, j'ai pas voulu spoiler la grosse actualité que j'étais recherchée vite fait, mais voilà, maintenant c'est fait. On peut le dire, la grosse actualité, c'est. C'est Darcel, champion de la consolante. We are the champions. Félicitations, félicitations. C'est beau. Alors, c'est pas que ton club principal. Non, il vous le dit pas, mais il court tout nu chez lui sur sa pelouse. Hein. Attention. C'est ça. En 15 degrés. Si, je l'ai dit dans mon communiqué de presse. Je l'ai dit que. Mais oui, effectivement, pour rendre fier mon maître Alpa qui a aligné les consolantes avec son club, j'ai fait pareil avec mon second club. Et du coup, voilà, j'ai écrasé mon adversaire 1-0. Mais d'ailleurs, petite chose marrante, j'affronte 3 fois mon adversaire en match officiel en 7 jours. Parce que là, c'est la J7, J8 et on affronte 2 fois le même adversaire. Et ce même adversaire, je l'affrontais en finale de console. Donc voilà, beau. 3 fois d'affilée. C'est beau. C'est beau. Ok, pas mal, pas mal. Et t'as gagné tes autres matchs? Ah bah non, attends, t'en as fait que 2 sur 3 pour l'instant de match, c'est ça, contre lui? Ouais, c'est ça. Et les 2, je les ai gagnés. Okay. Mais là, ça commence à devenir compliqué parce que j'ai 2 expulsés, 2 blessés importants. Bon. bravo Darcel, la consolante, faut la prendre. Non, effectivement, non, franchement, c'est quand même un titre, c'est toujours cool hein, d'avoir ça, ce titre-là. Ça. Bah, en fait, j'ai fait exprès de retomber en consolante, bah, comme souvent les gens font pour gagner la consolante, ils font exprès de retomber dessus. Parce que je savais que je pouvais rien faire en trophée Saphir ou trophée Ruby. Ok.
Parce que dans les petites ligues, le trophée Saphir, trophée Ruby, c'est faut quasiment avoir le niveau d'aller en demi-finale ou finale de coupe normale, principale. Donc, c'est assez compliqué. Écoute, ça me fait penser à un débat qu'on pourrait lancer vite fait pour voir un peu votre avis, je serais curieux. Mais il y a une personne qui a fait ça, exactement ça, qui a décidé de perdre volontairement pour aller dans une certaine coupe et qui s'est fait un peu incendier sur le forum France, je crois. Je crois que c'était sur France ou Global, je ne sais plus. Non, je crois que c'est sur France. C'est Seb Léger qui a fait ça avec la coupe Ruby, je pense, tu vois. Et c'est vrai que sur le forum, il s'est un peu fait descendre. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Je ne parle pas de ce cas-là précisément. Hein. Je parle simplement du fait, en tout cas, de perdre volontairement un match pour être versé dans une coupe secondaire. Bah, je l'ai fait, donc je vais pas être contre. Bien sûr, ouais, c'est vrai. J'avoue que ton avis est un peu biaisé dans ce cas-là. Mais je vais demander au chat aussi, bien évidemment, et à Alpa aussi, peut-être un avis, si vous avez un avis ou pas sur la question. Mais... Bah, c'est surtout que chacun joue le jeu comme il veut, quoi. Il y a des gens, par exemple, ils font le champion nul avec leur équipe principale. Ils veulent être le plus nul possible. Il y en a, ils veulent faire que du tir de loin. Il y en a, ils veulent faire que de la CA. Il y en a, ils veulent que des joueurs issus de leur académie. Enfin, chacun joue le jeu comme il veut, donc je trouve ça ultra déplacé de critiquer les gens là-dessus, quoi. Fait ce qu'il veut, c'est son club, quoi. Ouais, moi j'étais un peu attristé aussi pour Seb Léger, tu vois, en me disant, enfin, je trouvais qu'on, enfin, ça commençait à être beaucoup, tu vois. Enfin, en fait, autant il y a des gens qui peuvent donner leur avis, effectivement, et c'est tout à fait légitime de dire, voilà. Oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Mais là, je trouvais qu'il y avait quand même une espèce de... Tu vois, c'était quand même assez, assez agressif à son encontre. Et j'étais un peu sur le point de vue aussi d'Arcel, aussi, qu'en fait, chacun joue comme il veut au jeu, finalement, tu vois. Après... Oh oui, pardon, je crois que c'est Alpa, peut-être. Tu voulais dire quelque chose, Alpa? Non, pardon, je crois que Juste, moi, je rajouterais, c'est... À la limite de chez limite, je pourrais comprendre que les gens donnent leur avis sur un club communautaire, comme le dit Crédit. Je fais la pub pour mercredi hein, à 20h. C'est bon, merci. Mais pour un club de quelqu'un, chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est vraiment déplacé. Ouais, effectivement, écoute, je suis un peu sur ma vue. Je ne sais pas, toi, ton point de vue là-dessus. C'est clair, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut jouer à la consolante, il veut jouer à la consolante. S'il veut jouer les coups de cailloux, il joue les coups de cailloux. Enfin, franchement, j'ai pas de... Ok. Franchement, j'ai pas de billet particulier sur le sujet. Quoi. Et vous dans le chat, ah bah 7 kills, on va remercier 7 kills. On va écouter plus attentivement 7 kills qui a pris un abonnement. Là, on va l'écouter plus que les autres dans le chat, bien sûr. C'est horrible. Non, j'ai envie de vous titiller aujourd'hui. J'ai envie de titiller le chat aujourd'hui. Vous avez remarqué. Bonsoir 7 kills et merci, bien évidemment. Vous en pensez quoi de dire c'est un jeu? Ouais, effectivement, les gens ont l'air de dire aussi c'est un jeu. Et que voilà quoi. Surtout que bon, que ce soit la coupe caillou, la coupe normale, la coupe consolante, tu inscris ton nom quand même sur un palmarès qui va rester jusqu'à la fin du feed. Donc c'est intéressant, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement. Donc, cette kill qui s'est réabonnée, ça fait 25 mois qu'il est abonné, cette kill. Franchement, ça, on peut le féliciter. Plus de 2 ans, en fait. Bravo, cette kill pour l'abonnement. C'est honte plus fidèle. Ah ouais, je pense que c'est peut-être même plus que Darcel et Z. Attends, on va regarder. Je sais pas, je suis à combien? Je sais pas, en fait. Bah, je crois que c'est plus que moi. Hein. Toi, c'était 16 mois, ouais, je peux voir. 16 mois, vu que t'as fait ça il y a 2 jours. Ah, tu vois. Cette kill... En fait, cette kill, il est abonné même avant même que la chaîne était créée, tu vois. Ça, c'est beau. C'est ça. Non, mais franchement, c'est... Je suis dispo pour vous rejoindre en live pour vous faire mon retour sur mon cadeau de Noël de Z. Ah, ça peut être une idée aussi, cette kill, effectivement. Comme on est un peu en mode tranquille, entre guillemets, ça peut être l'occasion, cette kill. Franchement, pourquoi pas. Voilà pour autre info d'un point de vue actualité, il y a eu la finale de coupe, donc de la vraie coupe cette fois-ci, mais en Côte d'Ivoire, qui s'est jouée entre deux anciens invités de la suite actuelle, Kobri et Polach. Et c'est Kobri qui a gagné 1-0 contre Polach. Okay. Donc voilà. Bah, félicitations. Un point intéressant. Effectivement, ouais, très intéressant. Une finale de coupe 100% acheté actuelle, quoi. Ça, c'est beau. Mais on invite que la crème de la crème, bien sûr. C'est clair. Ça. Mais vous aussi dans le chat, si vous avez des actualités qui sont passées, n'hésitez pas à nous dire, hein, bien sûr. S'il y a des choses qui, voilà, qui sont arrivées de votre côté et tout ça aussi. Ok, est-ce qu'il s'est passé d'autres choses, Alpa, Darcel Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous reviennent dans les actualités? Je pense qu'on a fait un peu le tour, là. Ouais, ça paraît pas mal. Je pense aussi. Ok, bah, je pense que ça va être l'occasion de passer à la tribune des supporters, si ça vous va. Et...
On a reçu quelques messages. Alors, on a reçu un premier message. Attendez, je vais juste le reprendre pour le lire aussi, parce que je crois qu'il est un peu long. Un premier message de... alors, attendez. L'organisation, vous connaissez. Ça fait quand même ça bien. Un premier message de Petit Club. Alors, attendez, parce qu'il y a des effets spéciaux. Attention, c'est pas facile à faire. Il faut vraiment que je me concentre, là. Qui nous dit ? Petit Club, il nous a envoyé un message. Il a dit « Cher HT Actu, je suis bien arrivé à Dakar. Le voyage en train est un peu long, mais nous avons peu de moyens à la Fédération Atrix Sénégal. Ce soir, nous jouons contre Oman, l'avant-dernier match du Tour 2. Pour préparer dignement ce rendez-vous, nous nous sommes beaucoup entraînés. Voir photo 1. » Et c'est là où les effets spéciaux arrivent. Paf. Voilà, ok. Je vais laisser un petit peu, comme ça l'équipe peut voir aussi, bien évidemment, et apprécier ce message. Donc voilà l'entraînement. Très bel entraînement du Sénégal. Je continue. Après l'échauffement, nous avons tiré au but, ou plutôt hors du but. Voir photo 2. Bon, je crois que voir photo 2, j'aurais dû le retirer normalement. Non, mais bon, c'est pas grave. On est amateur avant tout. Donc voilà, là, vous pouvez voir en exclusivité l'entraînement du Sénégal de Petit Club. Effectivement, on reconnaît bien le style, en tout cas, de l'équipe. Et, Je suis très fier de mes joueurs, car finalement, le cadre se rapproche de jour en jour. C'est déjà pas mal. Si Alpa pouvait tirer un pénalty durant l'émission HT Actu ce soir, je pourrais montrer une réussite à mes joueurs à la mi-temps. Donc Alpa, t'as compris ce que tu dois faire. Après l'émission de vendredi dernier, mon buteur Tambadou s'est blessé pour 2 semaines et un ailier a perdu 2 niveaux de forme d'un coup. Je vois que l'effet HT Actu est de nouveau normal. J'espère ramener le 0-0 que toute la confrérie du nihilisme attend. Salutations à tous les auditeurs et créateurs de cette brillante et malchanceuse émission. Je tiens à préciser que je n'ai pas utilisé ChatGPT pour ce texte car j'ai un nez assez sensible. À bientôt. Merci beaucoup, Petit Club, pour ce beau message, en tout cas. Et pour l'instant, le 0-0, il tient, pour l'instant. Fais gaffe, parce qu'il va encore dire qu'on porte malheur à son équipe, c'est vrai. Mais il n'a pas tort, finalement. Même si la semaine dernière, le Sénégal avait gagné, non, je crois. Genre, j'ai un doute. Je crois, oui. Je crois une belle victoire et tout ça, non ? Attends, j'ai vraiment j'ai un trou de mémoire. Non, c'est sûr que le Sénégal a gagné, c'est sûr. J'attends juste que Petit Club dans le chat nous confirme. Mais si. Parce qu'on avait dit qu'on avait brisé la malédiction et tout ça. Donc c'est sûr qu'ils avaient gagné, mais je sais plus de combien. Tu vois, mais en tout cas, ils avaient gagné 1-0. Ouais, donc. Oui. Contre la Slovénie, 1-0. Effectivement. Et quand il était plus en live, il a perdu 1-0 contre cette même Slovénie. Donc c'est là, preuve qu'on porte bonheur. Tout est dit. Non, mais tout est dit. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas besoin de dire de plus. Drop the mic, comme on dit. Tu vois. C'est juste ça. Et donc voilà pour Petit Club. Et on a reçu un autre message aussi. Alors c'est un message assez sympa. Je vais vous expliquer le contexte. C'est que on cherche toujours des invités. Hein, mais genre même pour cette semaine, on cherche activement des invités. On prend souvent des refus et c'est tout à fait normal. Et on peut pas en vouloir. Enfin voilà, les gens sont pas toujours disponibles. Et en fait, on a pris un refus mais assez sympa. Et la personne nous a même dit ah bah tiens, finalement tu peux quand même le mettre mettre le message en tout cas en live. Voilà, ça fait toujours plaisir et tout ça. Et en fait, je sais pas si je dois mettre tout le message. Attendez. Non, c'est parce que j'ai pas envie de faire une connerie, quoi. Laissez-moi juste... attendez, on va d'abord combler. Vous pensez quoi du message de Petit Club dans le chat ? N'hésitez pas à nous dire. Et vous aussi, ouais, Alpa, Darcel. Là, je vous demande un peu de comblage, s'il vous plaît. Parce que je suis en train de vous dire, j'ai pas envie de faire une connerie. Discrètement, en fait. Discrètement, tu demandes de combler. Voilà, c'est ça. Pour combler avec une actu bonus, je regarde aussi les autres coupes des pays francophones. Il y a l'Algérie où le vainqueur de la coupe, c'est Chercheur, que Darcel doit bien connaître. Oui, effectivement. Voilà. C'est le sélectionneur U21, Chercheur, qui a un gros club maintenant, le Verde et Nero, qui est en première place, je crois, en Algérie, sur le championnat, et qui a même écrasé le club de Julian Ross, que vous connaissez sûrement sur les forums. Tout à fait. En finale de coupe. Et le vainqueur du trophée Saphir dans le même pays, en Algérie, c'est El Egrouik aussi, donc chapeau collègue. Ah oui, effectivement. Il y a du beau monde en Algérie, hein. Et je dis pas ça parce que j'y suis. Hein. Bah merci d'avoir comblé, ça fait plaisir, mais c'est même pas comblé, là, c'est vrai des actualités, donc c'est cool. J'ai vu, effectivement, il disait que je pouvais faire passer tout le message ou une partie du message sur machin. Bon, on va mettre tout le message parce qu'on est transparent, et donc voilà ce que c'était Fabio, qui est Fabio Multifacette, Fabio hein, en fait, qui est assez connu, un joueur belge qui joue depuis quasiment 20 ans, qui a répondu très gentiment. Il a dit salut Dapidu, merci d'avoir pensé à moi, c'est très gentil, mais pour l'instant, niveau IRL, les vendredis soirs, c'est chaud. Comme certains le savent donc au Champ Star, je suis un joueur de poker, et donc les vendredis et samedis soirs, je suis très souvent au casino de Namur, raison pour laquelle je vous réécoute en différé, et si tu me vois connecté sur Hattrick le vendredi soir, c'est juste car je mets HT Live
juste pour suivre les matchs internationaux en même temps que je joue au Texas Hold'em pour faire croire à mes adversaires que je suis pas concentré. Ça, c'est beau déjà. Faudrait mettre Twitch aussi dans tes oreilles, comme ça tu pourrais nous écouter, mais le problème c'est que tu serais vraiment pas concentré. Bon. Dans le futur, pourquoi pas, qui sait. Bonne journée à toi. Continuez en tout cas, et ça c'est le plus important du message. Continuez en tout cas, vous êtes tous très bien, et surtout on sent une sincère complémentarité entre vous. Alors ça, je peux une précision, c'est juste pour les caméras, etc. Mais en vrai, on se déteste, hein, on n'arrive pas à se sentir, mais pour l'émission, on fait semblant qu'on s'entend bien, n'est-ce pas les amis? Exactement. C'est enfin le moment où on peut l'avouer. Voilà, c'est... tout ça c'est que supercherie depuis 71e 71 émission. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir. Oui. J'aimerais bien que tu lises le message de Chef Lindois et surtout le premier mot. Ça, depuis tout à l'heure, j'essaye de le lire et impossible. Non mais franchement, moi je connais. Enfin, je crois pas que c'est près de chez nous en tout cas, mais c'est Shilty Game, j'imagine. Shilty Game. Ça doit être Shilty Game, à mon avis. Non, je pense. Mais quand dans un mot il y a 90% de consonnes, c'est pas un mot, c'est que tu t'es endormi sur le clavier, c'est pas possible. Mais j'ai un doute sur le. J'ai un doute si c'est. Justement, j'allais dire en Alsace ou éventuellement au Luxembourg, il pourrait y avoir des noms comme ça, mais. Bonsoir la team. Salut Skolnort aussi. Alsace. Tu peux c'est en Alsace, ouais, 67. Ok. En Alsace. C'est le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin? Je sais plus. 67. Ex-club de National CFA, ça me dit quelque chose. Ils n'auraient pas fait un bon parcours en coupe une année ou quoi. Ça me dit vraiment quelque chose comme à club de foot. À tout hasard, aussi. Ils n'auraient pas éliminé Marseille. C'est en général, quand une petite ville fait un parcours en coupe, c'est souvent c'est ça qu'ils ont éliminé Marseille. Non, mais c'est vrai en plus. En fait, désolé pour les Marseillais. Hein. Moi, j'adore Marseille, j'ai pas de soucis. Mais c'est vrai que les plus gros souvenirs d'exploits en coupe, c'est souvent contre Marseille en fait. C'est horrible dit comme ça. Quoi. Si, nous dit 7 kills en tout cas pour. J'imagine le parcours de coupe. Ouais, ouais. Parcours en coupe, en 2002-2003, ils ont éliminé l'Estac, Beauvais et Toulouse avant d'être éliminés par Reims en quart de finale. Il y avait l'Estac dedans, c'est pour ça que cette kill, ça a dû lui faire peut-être mal un petit peu de voir ce nom de ville. Mais... Ouais, c'est pas un gros club, ça. Ok, mais en tout cas, et franchement, merci beaucoup à Fabio, hein, juste pour remettre merci, mais ça fait plaisir, c'est un gentil ouais. Message. Et, donc en fait, juste pour préciser, on comprend que les gens ne sont pas disponibles et c'est normal, mais on reçoit souvent plein de gentils messages comme ça. Hein. Les gens s'excusent de ne pas pouvoir venir le vendredi, mais c'est toujours très gentil, donc merci à vous tous d'être sympas. Voilà. Et alors qu'il y a eu des buts pour la France, contre Chypre, 2-1, pendant qu'on lisait les messages, il y a eu 2 buts coup sur coup. Ah. Un but de Xavier Darras et un but de Florian Bellois. À la 30e et 31e minute. Ah, c'est donc, pas mal. Ça fait 2-1. Effectivement, et c'est pas mal pour la prédiction, ça reprend un peu de l'enjeu, on va dire. Exactement. Mmh. Okay. Et dans la liste des vainqueurs de coupe francophones cette semaine, il y a un truc qui va faire un petit clin d'œil à Darcel, c'est Blue Ocean qui a gagné la consolante en Haïti. Oui, alors donc, même voilà. Chose marrante... En fait, on est 4 dans le staff d'Haïti et on a tous les 4 gagné une coupe, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a aussi Palois qui a gagné une consolante, ou... non, le trophée Saphir. Mm-hmm. Et Mod Freeman, je crois aussi qu'il a gagné une coupe ou qu'il est en finale d'une coupe, je ne sais plus. Mm. Ah, c'est rigolo. On troste toutes les premières places. Mm. Un staff de haut niveau. C'est ça, exactement. Ok, bah en tout cas. Ah oui, cette kill qui dit non. Oui, c'est vrai que cette kill c'est Sedan. Pourquoi je dis 3? Mais c'est vrai qu'il y a 3 aussi que cette kill aime bien, je pense. Mais c'est vrai que c'était Sedan à l'époque. Okay. Parfait, bah écoutez, on est bien. Alors, il n'y a pas de chronique de Z parce que je sais même pas s'il y a une chronique de Z à la base, mais Z n'est toujours pas là. Est-ce qu'on a des nouvelles de Z? Je vous rejoins un peu plus tard, voilà, il nous a dit, mais bon, j'espère qu'il va... En tout cas, je sais qu'il va bien, c'est vrai que je l'ai eu aujourd'hui, donc il va très bien, c'est juste que je crois qu'il a eu un imprévu professionnel de dernière minute, mais ça veut dire qu'on va devoir combler pendant une dizaine de minutes, mais ça va, on a de quoi combler, bien évidemment, de toute façon. Et pour la deuxième partie de l'émission, bah déjà, on verra avec cette kill, effectivement, peut-être un feedback de son cadeau, comme il nous a dit dans le chat, c'est vrai qu'on verra pour que cette kill peut-être vienne nous voir. Et dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais je m'étais dit... J'ai écrit, en fait, 5 minutes avant l'émission, j'ai écrit un long message. Darcel, t'as pu le lire rapidement en exclusivité. Un long prompt, on appelle ça, pour demander à ChatGPT de lui expliquer le concept de l'émission et nous proposer 3 possibilités de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en fait, vous pourrez voter dans ces 3 possibilités suivant ce que l'intelligence artificielle nous proposera. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Ça veut dire qu'en gros, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ça dépendra à la fois d'une intelligence artificielle, ce sera toujours beaucoup plus intelligent que nous de toute façon, et de vous dans le chat qui allez voter, bien évidemment. Sachant qu'on a fait un beau message, bien évidemment, un peu troll, vous en doutez bien. Comme Zed avait fait sa chronique sur ChatGPT la semaine dernière, je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion d'utiliser concrètement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire et comme ça, on fera ça en deuxième partie, bien évidemment. ChatGPT, ça pue, nous dit Petit Club, effectivement. Je sais que Petit Club, toi, tu n'aimes pas. Mais il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète, de toute façon, c'est pour... Ça peut être le moment parfait pour lancer le débat. Qu'est-ce que vous en pensez de ChatGPT Justement, en pré-émission, on en parlait avec Dapidu. Ouais. Donc, ça peut être le moment parfait. C'est quoi votre avis dans le chat? Et nous, on vous dira aussi notre avis. Est-ce qu'on commence peut-être pour un peu comme ça, le chat, ils ont le temps d'écrire et tout. Donc, on peut peut-être redire ce que nous, on avait dit. Que moi, personnellement, ça m'aide un peu dans mon travail. Voilà. Mais pas plus, mais en tout cas, dans mon travail, ça m'aide parce que je fais plutôt du code, etc. Et c'est assez pratique, en fait, de parfois balancer son code et lui dire... fais-moi ci, fais-moi ça, en gros, pour faire simple. Et donc, moi, je trouve ça pratique pour ça, en tout cas. Et moi, de mon côté, vu que je suis sur du domaine un petit peu plus précis, avec vraiment des environnements et des besoins précis, bah, ChatGPT m'est pas du tout utile. Et il y a aussi que j'ai un gros problème avec le fait que c'est vraiment survendu, GPT. ChatGPT, c'est vraiment, tout le monde dit, c'est la révolution. C'est même pas, ce sera la révolution. Hein. Les gens te disent, maintenant, c'est la révolution, il faut aller, faut foncer dedans. Et je trouve ça vraiment survendu parce que, comme je le dis à chaque fois, fait utiliser ChatGPT à mes parents, mes grands-parents ou ne serait-ce que ma sœur. Déjà qu'ils savent pas utiliser OK Google, jamais de la vie, ils seront tirer le moindre bénéfice d'un ChatGPT, quoi. Ah, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Ouais, de toute façon, c'est pas non plus la révolution. À voir. C'est que ça me fait fortement penser au NFT, à la crypto-monnaie, etc. Genre, la crypto-monnaie, quand c'est sorti, ils étaient tous là à dire « faut absolument faire des crypto-monnaies, c'est honteux que ma banque n'en fasse pas, c'est honteux que mon poissonnier n'accepte pas le Bitcoin ». Mais tu regardes 2 ans après, oui, c'est parti aussi vite que c'est arrivé, ta crypto-monnaie. Donc, attends un peu de voir si ça a vraiment une utilité, quoi. Et en plus, ChatGPT, par contre, je concède totalement que c'est vraiment bénéfique et même révolutionnaire dans certains points. Vraiment, ça l'est. Mais dans ces points-là, en fait, c'est assez, comment dire, c'est assez bâtard. Parce que ça peut vraiment voler du travail à d'autres personnes. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, en création artistique, ChatGPT et les IA de création artistique peuvent vraiment être révolutionnaires, mais ça vole du travail, ou au moins ça enlève du travail à d'autres artistes, quoi. Clairement, clairement. Je vais juste faire une petite parenthèse pour remercier Scalpel Popette qui a pris un abonnement. Merci beaucoup Scalpel Popette, c'est super gentil en tout cas. Ça nous fait plaisir. De toute façon, c'est l'abonnement qui ira dans les quiz qui iront à 7 kills, quoi, en fait, finalement. C'est ça. C'est un investissement sur l'avenir. C'est ça. Mais non, par contre, ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. En fait, dans certains cas de figure précis, il y a quand même un côté très pratique, tu vois, je trouve, pour certaines choses. Je vais donner un exemple concret. Ouais. Je vais juste un peu nuancer mon discours qui était vraiment très négatif, mais je reste tout de même ultra intéressé par ce que va devenir l'intelligence artificielle. Vraiment, ça peut devenir super bien et apporter beaucoup de bonnes choses, mais juste attendez un peu avant de le survendre. Attendez de voir comment ça évolue, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. C'est la seule chose. Ouais, c'est ça. Et salut à Triskel aussi qui nous a rejoint dans le chat d'ailleurs. Et en fait, il y a quand même des trucs qui sont vraiment pratiques, tu vois, je trouve, avec ChatGPT. En fait, il y a des trucs qui servent vraiment à rien, et il y en a beaucoup. Beaucoup de gens utilisent ça pour des choses, à mon avis, plutôt futiles ou inutiles, etc. Mais il y a des choses, par exemple, très pratiques, tu vois. Et dans les choses pratiques, c'est des exemples comme ça, hein, qu'on peut faire, tout simplement. C'est, en gros, tu peux aller, tu vois, sur un site qui vend des produits, tu vois, imaginons, qui, par exemple, a 10 500 commentaires.
tu peux copier-coller tous les commentaires, les mettre dans ChatGPT et lui dire fais-moi un résumé en 5 points principaux des différents commentaires. Et même si les commentaires sont dans d'autres langues, tu peux dire fais-moi ça en français. Enfin, tu vois, ça, il y a des côtés pratiques pour ça, on va dire. Tu vois, c'est vraiment. Là, c'est utile parce qu'en fait, tu lui balances des milliers d'informations et lui, en 30 secondes, il te fait un truc avec les 5 points principaux de ces dizaines de milliers de commentaires. Tu vois. Ça, c'est bien. Tu vois. Ça, moi, je trouve que c'est ultra pratique. Au niveau du code aussi, ça, c'est pratique. Ouais, pardon. Je rebondis juste à ton point, c'est sur cet exemple et sur même beaucoup d'exemples qu'on me sort pour l'intelligence artificielle, c'est effectivement ça fait gagner du temps. Effectivement, ouais, voilà. Ça enlève des tâches qui sont différentes à faire, mais par contre, il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre extrême de tout donner à ChatGPT et de plus avoir aucun devoir, enfin, travail d'analyse de notre côté. Clairement. Ça, je suis d'accord. Vraiment d'analyser des avis, etc. C'est un métier. ChatGPT peut très bien le faire, mais ça remplacera jamais quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Si par exemple, je sais pas, sur 500 avis, il y en a un seul qui dit bah j'ai retrouvé un rat dans ma pizza, c'est honteux, je reviens plus. Bah ChatGPT va probablement l'ignorer, alors que un humain va au moins faire l'effort de se dire est-ce que c'est vrai cet avis, est-ce que c'est pas du faux, est-ce qu'il y a vraiment eu un problème sanitaire, etc. etc. Effectivement. Dans le chat, et coucou à Z qui arrive. Bonsoir, bonsoir, désolé du retard. Bon, c'est pas grave, ça arrive. T'es passé à la vie scolaire, t'as fait signer ton carnet. oui, monsieur, non, là, désolé, mais la vie réelle m'a rattrapé, donc voilà, je suis là. Tu arrives pile avant la pause quasiment, enfin quasiment pile avant la pause. Ma rubrique, je ne l'ai même pas encore sous les yeux d'habitude. Mais c'est pas grave, parce que je pense pas qu'on va la faire de toute façon, mais on a eu quelque chose d'autre de plus intéressant. Enfin pas plus intéressant, cette kill proposait en fait de passer... Attends, je t'explique. Cette kill proposait de passer... Je ne vois pas encore le chat, je n'ai encore rien. J'allume mon PC perso, mes affaires perso là. Cette kill nous proposait de passer en fait pour faire un petit résumé du cadeau qu'il a reçu à Noël du livre... Quoi, maintenant tout de suite? Après la pause, le temps d'organiser ça entre nous, bien évidemment, c'est un peu l'improviste. Il me sauve, cette kill, il me sauve, magnifique, il le sentait. Pourquoi? Je sais pas, vous l'avez dit que j'étais pas là, c'est ça? Non, parce que sûrement, enfin oui, mais on savait que t'allais arriver de toute façon, donc... On a dit qu'on cherchait un remplaçant à Z et il s'est proposé. Et un remplaçant permanent. Je plaisante. Je plaisante. Je veux bien un assistant. Quoi. Bon, quoi que ChatGPT, j'entendais que ça parlait de ChatGPT, va pouvoir m'assister maintenant. C'est ça, exactement. En fait, on était parti sur un débat sur ChatGPT. En fait, je t'explique, Z, comme ça, t'as vraiment tous les détails. 5 minutes avant le début de l'émission, je me suis dit, tiens, je vais écrire un gros prompt sur l'émission. Un peu humoristique, bien évidemment. Et j'ai écrit ce prompt. Tu peux le voir dans le document. D'ailleurs, tu pourras le lire entre nous. Et je me suis dit, à voir. Si on n'a vraiment rien d'autre à faire, on propose ce prompt. Ou bien évidemment, on lui demande 3 idées, finalement, à faire, en expliquant tout le contexte, etc. Et on laisserait les gens choisir dans le chat qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu vois. Mais ça peut être une idée. Mais on peut aussi voir avec cette kill. Enfin, il y a plein de choses à faire. On verra tout ça. Finalement, on aura trop de choses à faire en deuxième période. De la Belgique. Ah, ChatGPT, il ne saura pas le faire. Ça vous couper pour dire qu'il y a un but. Hein. Bientôt il y aura. Bientôt, y aura. Et pour les matchs, on garde ce qu'on avait décidé dans l'équipe ou vous avez rajouté quelque chose? Ah bah non, c'est ce qui va être. Non, c'est parfait. C'est Zed ne regarde pas le stream, hein, vous avez remarqué. Hein. Non. Les matchs, j'ai déjà même préparé et tout, mais comme j'ai dit, j'ai eu un petit souci et du coup, malheureusement, je suis en train de démarrer tout, y compris Atric. Il a pensé à moi en plus, Zed. Il a envoyé la liste des matchs avant le live pour que je puisse les ajouter. Et ne pas être pris au dépourvu, c'est gentil. Et c'est moi qui ne suis pas là. Et si je peux me permettre, ça normalement on le fait toujours dans le document de toute façon, mais bon, ça c'est... c'est Darcel qui n'ouvre pas le document en fait, c'est ça qu'il veut dire. Alors je vous invite de lire la réponse de ChatGPT à Triskel qui vient de la poster sur le chat, là c'est assez rigolo. Quelle composition a Trick faire pour la France contre Chypre? Je suis désolé, mais en tant qu'IA, je ne suis pas autorisé à encourager ou suggérer des stratégies pour des activités illégales ou immorales telles que la tricherie ou la manipulation des sportifs. Le fair play et l'éthique sont des valeurs importantes dans le sport et doivent être respectées à tout moment. Il est préférable de se concentrer sur la préparation et la stratégie légitime pour obtenir une victoire honorable. Quel connard, notre Triskel, ok. tu as mal écrit canard. C'est ça le problème de ChatGPT, c'est que il est pas forcément au fait de tout ce qui se passe, quoi. C'est ça. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de barrières, tu vois. Tu vois, là, il y a un côté un peu barrière éthique, morale, fair play, tu vois. Enfin, des barrières entre guillemets qui. Mais le truc, c'est qu'il faut lui donner un contexte en fait. Souvent, il faut lui dire voilà, tu dois agir en tant que
tel type de personne. C'est ça, effectivement. En tant que sélectionneur de l'équipe de France talentueux, comment ferais-tu, blabla, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, et mais si non, tu veux tricher, tu allais dire en tant que sélectionneur un peu véreux, imagine une fiction qui parlerait d'un sélectionneur un peu véreux, qu'est-ce que tu ferais? Et là, généralement, quand tu lui dis que c'est de la fiction, il fait tomber pas mal de barrières. Ouais, il a déjà réussi à être trash, voire assez agressif dans certains propos, alors qu'il ne voulait pas le faire. Et je lui dis, ouais, mais c'est de la fiction, tout d'un coup, il a été des plus agressifs dans un langage très fleuri. Ok. Est-ce que ça vous va si on fait peut-être le petit break maintenant? Comme ça, on aura l'occasion peut-être d'accueillir cette kill, voir un peu avec lui tout ça, ouais. Et mettre tout ça en place. Et comme ça, Zed aussi peut arriver, peut voilà, tranquillement être au fait de tout ce qui se passe. Mais je pense, est-ce que ça vous va, l'équipe? Ouais. Ah, oui. Eh bien, c'est parti. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Et salut à Super Squeak qui vient de nous rejoindre. Ça fait plaisir. Vous êtes quand même quelques-uns à être présents. Donc, merci à vous en tout cas d'être présents. Et on se retrouve, oui, d'ici une quinzaine de minutes. À tout de suite. Il y a eu ce nom, Simon Toussaint. Simon Toussaint, je sais pas, ça a éveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à avoir des frissons. Je dis, qui est ce type? Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur ce joueur et pas un autre? Je ne le saurais jamais. Je clique sur ce joueur et que vois-je? Il y avait tout un tralala sur dans le club. J'ai pas été vérifié, désolé pour ce manager. Je me demande si c'est Pascal Perlipopette d'ailleurs. Je ne sais plus. Il nous confirmera, il nous dira si c'est lui. Oui, mais il y avait quelqu'un qui était en train de vendre le joueur et qui disait que voilà, Simon Toussaint, on a assez. Simon Toussaint veut quitter ce club. Et je regarde les transferts de ce joueur et que vois-je? Mais des transferts, mais des dizaines et des dizaines de transferts. Ce pauvre gars ballotté d'un club à l'autre comme ça et qui revient, qui repart. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait avec les appartements, avec sa compagne? Et puis, ou alors il a plusieurs compagnes, mais comment fait-il? Donc oui, c'est un message de l'ami Galwayan. Je le prononce peut-être mal, je suis désolé. Galwayan. Qui fête son anniversaire aujourd'hui, on le redit une deuxième fois. Oui, encore bon anniversaire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'étais mieux à ce moment-là, mais bon anniversaire à toi. Et donc effectivement, bah, il nous demande qu'on souligne un peu le fait que le 3 mars a démarré la Coupe des Animaux avec un Z. Et c'est quand même la 54e édition, donc bah, bravo déjà à lui pour l'organisation de cette coupe, et puis bonne chance à tous les participants. Et est-ce que vous êtes prêts? Ça c'est le suspense, attention. Oh là c'est la loterie. On appelle, allez on va appeler Rachid, on va voir ce qu'il nous proposait, et c'est parti. Bonjour Dapidu. Passable, 15 ans, passable, mais on a de la chatte de ouf. À fond, j'ai trouvé quelqu'un qui semble être un candidat très intéressant, il a 15 ans, s'appelle Jean-Paul Sanogo, très bien. À ce moment de sa carrière, ce joueur a un niveau de défense faible, entraîner ce joueur correctement, il aura un niveau de buteur passable. Franchement, il est... Bon, bah, c'est déjà pas mal. Alors, il a avec l'air un peu de chance... On peut avoir un technique qui a pas mal de construction, qui a de la passe. Ah, il me plaît déjà, lui. Il s'appelle comment? JPS. Ouais, JPS, voilà. Jean-Paul Sanogo. Je suis curieux de voir son âge. Tu vois, est-ce qu'il a 15 ans et 102 jours ou 15 ans et 13 jours, tu vois? On va voir. On l'accepte, bien évidemment. On verra. De toute façon, on acceptera tout. Dans tous les cas, je l'aime bien déjà. C'était Kasselec. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce pseudo? J'aime bien poser cette question. Il y en a pour qui c'est simple, comme Courbis OM, mais toi, j'ai beau gratter, j'arrive pas à trouver. Je ne sais plus, enfin, ça fait un moment que je... Il y a très longtemps que je me suis inscrit à Hattrick. À l'époque, je l'utilisais un peu, et du coup, je l'ai gardé. Il n'y a pas de signification particulière, ça. J'ai cru que t'étais électricien, peut-être, dans la vraie vie. et non, il n'y a pas de ça. Peut-être qu'il savait déjà qu'il serait sélectionneur pour le Selec. Ouais. C'est vrai. Ouais. J'avais tout prévu. Tout était prévu depuis le début. Ouais, donc les matchs de coupe effectivement sont en plein après-midi, donc c'est pas évident. Donc là, de toute façon, tout au long du parcours, suivre, c'était un bien grand mot. C'était surtout de loin la notification sur le téléphone. Là, pour le match, pour la finale, donc le début, j'ai suivi un peu comme ça, et puis. Et puis la dernière demi-heure, plus les prolongations, puisqu'en fait il y a eu des prolongations aussi, là j'étais un peu plus attentif sur le téléphone que sur le travail. Du coup j'ai décalé un peu ma journée. Mais voilà, sinon c'est... J'ai bien vérifié que c'était bien le coach de l'Islande, parce que je me dis peut-être que je me suis trompé de personne et que c'est quelqu'un qui est en train de troller, en fait, je ne savais pas du tout. Et j'ai bien vérifié en anglais que ça voulait bien dire ça, etc. J'ai vérifié plusieurs fois.
Il dit, donc que pensez-vous de votre prochain adversaire, l'équipe de France? Il nous répond, la France est assez mauvaise, mais leur manager est probablement encore pire avec deux Mots à la suite. Ils ne pouvaient même pas être favoris contre la Slovénie avec un Mots. Cependant, ils ont la possibilité de jouer en pique ce soir et regagner du TS. Alors... C'est cash. Bah, disons que je me suis dit, peut-être que c'est de l'humour. Enfin, c'est la question qui s'est aussi posée sur le forum. Est-ce que c'est de l'humour ou pas? Mais la France est assez mauvaise, mais leur manager est probablement encore pire. C'était assez violent, donc j'espère que c'était de l'humour. Une tentative d'intimidation pour pousser Kaselec dans le choix qu'il aimerait bien. Quelqu'un a dit ça sur le forum, c'est vrai. Il y a souvent de ça. Hein. Cher GD Vince, et là ça commence bien. Je vous remercie pour votre proposition d'arrangement sur le match de football, mais je dois décliner votre offre. Je tiens à souligner que j'ai un grand respect pour l'intégrité du sport. Okay. C'est pas mal. Et que je ne souhaite pas compromettre cet aspect important du jeu. En outre, ah mince, ça continue. Ah mince, là, c'est peut-être un peu long. Je suis convaincu que toute tentative d'arrangement pourrait nuire à la réputation de l'équipe. C'est vrai. Des joueurs et des supporters. C'est parfait, quoi. Il est important pour moi que nous jouions de manière honnête et juste et que nous laissions les résultats du match être déterminés par les performances sur le terrain. Je suis désolé. Bah c'est bien, c'est très bien. On a quelque chose de concret. Je ne vais pas pouvoir accepter votre proposition. Est-ce que c'est ça, le blob? Le blob, il est partout, le blob. Ah oui, c'est ça, oui, il y a une image et tout. S'il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et se reproduit comme un champignon, le blob n'appartient pourtant à aucune de ces catégories. Donc c'est encore pire, c'est un truc, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Il est fantastique. Ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est, le blob. Ah oui, en plus, il est capable d'apprendre. Il y a des machins où ils ont fait des ponts, enfin des petits ponts, hein, etc. Et sur le pont, ils ont mis du sel. Et donc le sel, ça va pas trop avec lui, mais il finit par s'habituer au sel pour pouvoir continuer à avancer. Pourquoi est-ce qu'il avance? Parce que de l'autre côté du pont, il a repéré qu'il y avait de la nourriture. Et donc il s'adapte à des tas de trucs, etc. Enfin, c'est un animal, mais vraiment très intelligent et très très. Et il adore la bière. Oui, effectivement, ils ont fait des tests avec la bière, avec un blob bourré et des blobs de toutes les couleurs. Enfin, je ne pensais pas que j'allais parler de ça. Ah, le blob, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant. On en apprend quand même. C'est bien. C'est cool. Ah, on apprend plein de choses. Que représente CHPP dans ton pseudo? Donc par rapport à la fonction, par rapport aux mots, j'ai été chercher bien évidemment ce que ça voulait dire, mais peut-être juste expliquer ce que c'est CHPP, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient absolument pas ou que ça ne leur parle pas du tout. Alors le CHPP, c'est une partie de Hattrick qui permet de créer des applications connexes au jeu. Et donc c'est un rôle officiel comme un GM ou un LA comme Alpa. Voilà, c'est un groupe de personnes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce groupe de personnes, il n'y a qu'une personne, c'est moi, depuis un petit moment. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais ce sont des officiels, on va dire, comme les GM, mais qui s'occupent uniquement des applications tierces. GM, donc déjà, c'est Game Master. Et donc, de manière générale, c'est des gens, tu me coupes si j'ai n'importe quoi ou tu complètes ma réponse, hein, n'hésite pas, mais qui s'occupent en fait de tenir le côté sain au jeu, en tout cas qui sont là pour faire en sorte que le jeu se déroule dans les meilleures conditions. C'est plutôt ça? Bah en fait on a différentes casquettes. La principale reste aider l'utilisateur quand il rencontre un problème, et je vais m'attarder sur ce qu'est l'aide que peut vous apporter un GM. Un GM ne vous donnera jamais d'explication sur le pourquoi vous perdez un match. Pourquoi vous vous êtes pris 5-0 alors que vous aviez 90% de possession de balles au milieu? Il y en a souvent des gens qui viennent le samedi matin, le dimanche matin en ticket GM pour nous dire « mais je comprends pas, j'avais 80%. » Ça, c'est pas l'objectif du GM, à vous expliquer comment fonctionne. Mais voilà, là, ça apporte quand même le côté compétitif, le côté aussi débuter une équipe dans une nouvelle nation. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir aborder avec l'aide du chat. Parce que même si j'ai quelques années d'expérience sur le jeu, les débuts de compétition, en fait, c'est quand même assez loin. Donc, je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de choses. Exactement. Et c'est le but, en fait, tout à fait. Pour les nouveaux joueurs, c'est de découvrir un peu le jeu aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention.
On dit pas qu'on a la parole absolue et les invités non plus, mais c'est juste que les invités ont une certaine expérience dans certains domaines précisément, etc. Donc en fait, on va en apprendre chaque semaine, en fait, suivant les managers différents qui vont venir, parce qu'effectivement, c'est ça le but de cette émission, c'est qu'en fait, chaque semaine, j'aurai un coach personnel différent qui sera un joueur expérimenté. Attaquant costaud, quand il a du buteur et de la construction, c'est un joueur qui peut marquer une occasion supplémentaire si ton occasion échoue. Ouais, c'est ça. Donc là-bas, par exemple, si tu vas sur la finale, tu vois qu'à la 115e, j'ai une action ratée. Et derrière, il y a l'événement costaud. Alors, c'est pas un événement spécial, c'est juste un événement classique. Enfin, un événement tout court, quoi. De l'attaquant costaud qui marque derrière. Donc, il a besoin de buteur et de construction. Scalpus qui nous dit pour acheter des webcams. Alors, on en a. Enfin, moi, j'en ai. Mais on préfère plutôt que vous concentriez sur l'aspect texte, sur l'aspect chat, sur ce qu'on dit, plutôt que sur nos têtes, parce qu'on n'a pas tous des physiques très très propres. Tu vis ski. Mais vous avez une voix tellement sexe, les gars. Non, c'était pas juste pour préciser qu'on n'avait pas du tout prévu de mettre des webcams pour l'instant. Ça va par vague en fait, ça dépend. Alors, déjà, on traduit tous les petits textes de tous les menus que vous voyez sur Atrix, sur le site. Donc, on a une interface où, en gros, à chaque fois qu'il y a un texte de menu qui apparaît, bah, typiquement le nouveau simulateur de compo, bah, t'as pas mal de choses, les petits menus, les petits textes à côté des interfaces, des boutons que vous voyez, bah, en gros, c'est nous qui les traduisons. Quoi. Donc, ça, il y a un flow qui arrive à peu près. Tous les jours, tous les 2-3 jours, quoi. Globalement, à chaque fois, il y a des petits textes qui sont mis à jour. Des fois aussi, il y a des morceaux de manuel qui ne sont pas à jour, où il y a des erreurs. Donc, les acheter, les corriger, et ensuite, ils nous les envoient. Ça, c'est le travail au quotidien, on va dire. Et puis, sinon, après, il y a les annonces, toutes les annonces que vous voyez. Bon, les annonces qui expliquent, bah, tiens, il y a un nouveau simulateur de compo. Voilà ce qui est dedans, voilà ce qui fonctionne. On les traduit. Les éditoriaux aussi. Ça, c'est des trucs un peu plus longs qui expliquent par exemple. De combien de pourcents baisse votre milieu en cas de contre-attaque? Donc, quand vous cochez la contre-attaque. Plus chaud. Oui, et puis tu te réchauffes en courant entre les stades, donc ça. Ah oui, là, effectivement, là, je ne dis pas la vitesse, mais effectivement, grâce à la magie de la fibre, je me glisse dans une fibre entre les continents et je rejoins un stade à l'autre. J'allais te poser la question, comment tu faisais pour aller sur différents terrains, différents pays à la fois? Alors, autant pour Allemagne, Bénin... La 5G. Maintenant, avec la 5G, on fait tout. On a okay. Internet plus rapide et du coup, on peut se déplacer plus rapidement. En tout cas, dans la dimension où moi je vis. Hein. D'accord, je pensais bêtement que tu avais une chaise qui était vraiment très, 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 très haut, mais vraiment très, très haute et qui te donnait en fait la vue sur les différents terrains. Mais en fait, ok, ça va. Pour la chaise, je suis en contact avec Ferrari pour me faire une chaise très rapide, mais pour l'instant, ils ne veulent pas. Ok, d'accord. Ok, parfait. Merci pour ces informations un peu exclusives. Quoi. Comme ça, on sait comment tu vas aussi vite entre les terrains. Exactement, je suis un. Et voilà, donc voilà notre nouveau logo. Et franchement, il est beau, il donne bien. Il donne... Les quatre auraient bien donné de toute façon, hein, bien évidemment. Mais franchement, beau logo. Tu en penses quoi, petit Filou, en tant qu'adjoint? C'est celui qui, ça a été dit dans le chat, hein, c'est celui qui représente le mieux le fait que ce soit un club communautaire. Et j'aime bien l'arrondi du logo. Tout dire, j'ai pas voté pour ce logo au premier tour. Ok. Mais j'ai voté pour ce logo au deuxième tour. Ok. Tu l'as joué à fond ou t'as fait tourner l'équipe? Comment t'as fait plus ou moins Ah bah oui, j'ai fait le gros sale, j'ai acheté des mercenaires, des vieux mercenaires pour être sûr d'avoir suffisamment de marge. Et voilà. En gros, je m'achète un trophée, quoi, ça va un peu la Bernard Tapie. Ah mais c'est beau. Il y a eu ce nom, Simon Toussaint. Simon Toussaint, je sais pas, ça a éveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à avoir des frissons. Je dis, qui est ce type? Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur ce joueur et pas un autre? Je ne le saurais jamais. Je clique sur ce joueur et que vois-je? Il y avait tout un tralala dans le club. J'ai pas été vérifié, désolé pour ce manager. Je me demande si c'est Pascal Perlipopette d'ailleurs. Je ne sais plus. Il nous confirmera, il nous dira si c'est lui. Oui, mais il y avait quelqu'un qui était en train de vendre le joueur et qui disait que voilà, Simon Toussaint, on a assez, Simon Toussaint veut quitter ce club. Et je regarde les transferts de ce joueur et que vois-je? Mais
des transferts, mais des dizaines et des dizaines de transferts. Ce pauvre gars ballotté d'un club à l'autre comme ça et qui revient, qui repart. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait avec les appartements, avec sa compagne? Ou alors il a plusieurs compagnes, mais comment fait-il? Donc oui, c'est un message de l'ami Galwayan. Je le prononce peut-être mal, je suis désolé. Galwayan. C'est peut-être son anniversaire aujourd'hui, on le redit une deuxième fois. Oui, encore bon anniversaire. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'étais mieux à ce moment-là, mais bon anniversaire à toi. Et donc effectivement, bah, il nous demande qu'on souligne un peu le fait que le 3 mars a démarré la Coupe des animaux avec un Z. Et c'est quand même la 54e édition. Donc bah, bravo déjà à lui pour l'organisation de cette coupe, et puis bonne chance à tous les parents. Et est-ce que vous êtes prêts? Ça c'est le suspense, attention. Oh là, c'est la loterie. On appelle, allez, on va appeler Rachid, on va voir ce qu'il nous proposait, et c'est parti. Bonjour Dapidu. Oh, passable, 15 ans, passable, mais on a de la chatte de ouf. À fond, j'ai trouvé quelqu'un qui semble être un candidat très intéressant. Il a 15 ans, s'appelle Jean-Paul Sanogo. Très bien. À ce moment de sa carrière, ce joueur a un niveau de défense faible. Entraîner ce joueur correctement, il aura un niveau de buteur passable. Franchement, il est... Bon, bah, c'est déjà pas mal. Alors, il a avec l'air un peu de chance... On peut avoir un technique qui a pas mal de construction, qui a de la passe. Ah, il me plaît déjà, lui. Il s'appelle comment? JPS. Ouais, JPS, voilà. Jean-Paul Sanogo. Je suis curieux de voir son âge. Tu vois, est-ce qu'il a 15 ans et 102 jours ou 15 ans et 13 jours, tu vois? On va voir. On l'accepte, bien évidemment. On verra. De toute façon, on acceptera tout. Dans tous les cas, je l'aime bien déjà. C'était Kasselec. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce pseudo? J'aime bien poser cette question. Il y en a pour qui c'est simple, comme Courbis OM, et toi? La chronique de Z-Kill, sinon. La chronique de Z-Kill, et voilà. Ça a repris sur Alpa qui annonçait la chronique de Z-Kill. Alpa, tu sais que ça a repris pile au moment où tu as dit ça, donc c'est parfait, quoi. La chronique de Génial. Il faut s'imaginer qu'Alpa vient d'inventer ça là maintenant. Parce qu'en fait, on n'avait pas trouvé quelque chose. On a mis la rubrique de Z, non de Z-Kill. Et en fait, Alpa, tu as raison, c'est la chronique de... La rubrique de Z-Kill. Et donc, on a Z-Kill qui est avec nous. Salut Z-Kill. Un peu improvisé, mais ça fait plaisir en tout cas. Salut l'équipe, salut le chat, bonsoir à tous. Bonsoir, putain, quel professionnalisme, incroyable, vous avez vu ça? Bonsoir à tous, bonsoir le chat. En plus le chat, mais alors c'est vrai que t'étais dans le chat il y a 5 minutes, tu faisais partie du peuple et donc tu vois ce que c'est, donc c'est pour ça que tu dis bonjour au chat et tu as bien raison. Exactement, j'y suis toujours. ça force de vous écouter, tu sais, on chope 2-3 trucs quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est cool que tu sois venu, ça fait plaisir. Ça permet à Z de se la couler douce, de ce que j'ai compris, hein, Z. Exactement, je regardais les matchs. Et écoutez, cette fois, je me mets un peu à la place des auditeurs et j'écoute. Z, il a pris la grosse tête, il a recruté un stagiaire, en quelque sorte, tu vois, c'est ça, hein, Z. Tu ne le payes pas, hein, c'est ça. Hein. Bah, si j'étais déjà payé moi-même, hein, mais bon. j'ai eu un cadeau, hein. Quand même. J'ai eu un bouquin dédicacé de Z. Exactement. Alors, on peut dire la même chose. On peut faire. Ouais, effectivement. Pourquoi est-ce que tu es là? Et donc, effectivement, c'est pour parler d'un livre que tu as reçu en fait à Noël. C'est ça. C'est grâce à l'émission de Noël, aux cagnottes de Noël avec tous les cadeaux qu'on a. Donc, un des cadeaux, c'était un livre offert par Z. Ouais. Et là, je pense que ça venait vraiment de Z. Hein, par contre, en plus, hein, si je dis pas de bêtises, Z de mais mémoire. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais effectivement, c'était un petit cadeau fait. Petit cadeau de la rubrique, on va dire. Donc du coup, il fallait que je trouve un petit livre sur des faits insolites et relativement au football. Donc c'est vrai que j'avais trouvé sur une plateforme en ligne très connue ce livre que Dapidu affiche à l'écran, 50 faits surprenants sur le football. Sur une plateforme qui en fait est aussi Twitch, c'est ça, hein? Exactement. Enfin, c'est Amazon, quoi. C'est pareil. Oui. C'est la maison. Quoi. C'est la maison. Quoi, c'est-à-dire que c'est avec l'argent qu'on gagne chez eux. Que tu reverses l'argent, tu vois. Et on le reverse derrière, donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. En fait. Ouais, qui va tout pour Jeff, quoi, pour ce sacré Jeff Bezos. Voilà, quoi. Après, ChatGPT utilise un stagiaire, il bosse quand Z. Bon, il bosse plus. Ça, ouais, salut à New Inc, hein, d'ailleurs, au passage. Je bosse plus, hello. Non, mais c'est ça les chefs, hein, ça donne des ordres et derrière. Ouais. Chef, voilà, si seulement j'étais chef. C'est vrai. Et donc, tu as lu ce livre, en tout cas, et tu en as pensé quoi déjà? Que j'ai plein de bonnes choses, j'ai appris plein de choses. Enfin, je vais vous faire un petit résumé, mais j'ai passé un bon moment avec. Donc, pour le prix, ça a fait un petit cadeau sympa. C'est très bien. Ok, cool. Et donc, tu as appris des choses et tu vas nous transmettre ces choses-là. Donc, franchement, c'est cool. En fait, c'est un cadeau que tu as reçu, mais finalement, tu transmets un peu à tout le monde une partie de ce cadeau. Et ça, c'est beau. Si je peux donner envie aux gens de le lire et surtout d'apprendre des choses, pourquoi pas. Ouais. Très bonne idée, et on dit au revoir à Jao Miko qui nous quitte. Mais à bientôt, Jao. Bah écoute, cette kill, c'est à toi. Tu nous dis si tu veux, on te laisse la parole, je pense, ou si à un moment t'as besoin de gens qui parlent, tu fais appel à nous, y a pas de souci.
Non, mais réagissez, posez-moi des questions éventuellement. Ça marche. On verra si je sais répondre, mais surtout réagissez, que ce soit le chat ou vous, n'hésitez pas. Ouais, ça marche. Donc, le livre, c'est 50 faits surprenants sur le foot. Alors, je ne vais pas vous citer les 50 faits, ce serait d'une trop long et deux pas forcément très intéressant. Mais j'en ai noté un certain nombre, une quinzaine qui sont soit intéressants en soi, soit c'est clairement des faits que j'ai appris et j'en ai appris beaucoup quand même. On commence d'un point de vue historique, puisque le livre démarre comme ça à l'aube des temps, si je puis dire, avec la naissance du foot. Et j'ai appris personnellement, parce que je ne le savais pas, que le foot est apparu d'abord en Chine, alors, plus ou moins vers l'an 476, mais avant Jésus-Christ, donc voilà 2500 ans maintenant, okay. Qu'il était appelé à l'époque le Tsuju, si je puis dire. Et que le principe, c'était de jouer à la baballe avec, avec les pieds, toujours. Mais il fallait marquer des buts, sauf que les buts, ils avaient la particularité d'être à quelques mètres au-dessus du sol. Et qu'en plus, les buts, c'était un cercle d'un diamètre d'environ une trentaine de centimètres. Donc, nécessité d'avoir beaucoup de précision. Et puis voilà. Okay. Ça c'était la Chine, et ensuite jouer à la balle, je pense que c'est un travers humain, non, une caractéristique humaine, puisqu'en Grèce et en Rome antique, des jeux de balle existaient également, et que en Europe par exemple, au XIIe siècle, en France et en Angleterre, il y avait un jeu qui s'appelait la Soule, S-O-U-L-E, et qui serait l'origine du foot moderne. Et après, à travers les siècles, que ce soit en Florence au 15e ou ailleurs, jouer à la balle, ça a toujours existé, avec des variantes d'un point de vue des règles. Et le vrai football moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça je pense qu'à peu près tout le monde le sait, a été codifié par les Anglais à la fin du 19e. Que du coup, les clubs les plus anciens sont des clubs anglais. Alors, le premier club dit non scolaire, c'est-à-dire le club vraiment pour jouer au foot et pas au sein d'une institution académique, c'est le Sheffield Football Club. Alors, malheureusement, ce n'est pas Sheffield United qui est en D2 de mémoire. Ils doivent être en Championship ou en D3 anglaise actuellement. Mais là, c'est un club en D8 anglaise, donc un club amateur aujourd'hui. Et qui a la particularité d'avoir un stade dont le nom c'est The Home of Football, donc la maison du foot. Ok, pas mal. C'est les Anglais, c'est toujours très modeste. Oui, mais en vrai, c'est un peu, t'as dit que c'est le premier vrai club, donc finalement, c'est pas faux. C'est vrai. Enfin, il y a un côté. Bah, c'est comme le Havre qui met toujours en avant qu'ils sont le club le plus ancien français, en tout cas. Ah, c'est vrai. Chef Indois dit ça, le Havre en France, effectivement, c'est l'équivalent, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Le HAC, d'ailleurs, fondé par des Anglais, hein, pour la petite histoire. Ah oui, ok, ça je savais pas. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre que les autres jeux de balle, type basket, rugby, par exemple, sont des dérivés du foot. Avec à chaque fois qu'on dit dérivé, c'est ils ont repris les mêmes règles et ensuite ils les ont adaptées. Alors soit par exemple pour le basket en jouant exclusivement à la main, sur un terrain plus petit, ou au rugby avec l'interdiction de manipuler la balle à la main, de bloquer les joueurs. Enfin non, ça c'est l'inverse, pardon. Oui, excuse. Enfin voilà. Si on parle des gardiens, le livre a fait un petit focus sur les gardiens parce que c'est vrai que c'est un poste un peu particulier. Et donc en fait, ce que tu dis, c'est que le football est en fait un peu le père de tous les sports de balle, quoi. Un petit peu, alors en sport collectif, on va dire. Oui, je me doute bien que le tennis de table, par exemple, ouais. Pas sûr, voilà, que ça découle du football. Pas ouais, trop, mais non, mais de certains sports de balle, ouais, quoi, j'imagine. Ah, mais c'est intéressant, c'est très intéressant de savoir effectivement, ouais, le basket, je ne pensais pas que ça venait forcément du football. Je pensais que c'était plutôt une autre branche, on va dire, historique, mais il semblerait que ça soit la même, quoi. Ouais, c'est pour le basket, typiquement, c'est un prof de sport aux US en 1891 qui a inventé ça pour que
Parce qu'ils trouvaient que le foot était causait trop de blessures. Et du coup, ils voulaient un sport où ses élèves aient moins de blessures. Et, donc j'imagine dans un cadre, hein, peut-être sur un terrain plus petit, peut-être avec moins de joueurs sur le terrain, etc. Bon, c'est ça, c'est pas dit, mais c'est ce qu'on peut imaginer. Intéressant. Si je poursuis sur les gardiens, donc poste particulier quand même, ça je pense que tout le monde le sait. Au départ, les gardiens, ils pouvaient manipuler le ballon à la main, donc c'était les seuls, hein. Mais ils pouvaient le faire n'importe où sur le terrain, dès lors que c'était, entre guillemets, pour protéger son but. Mais bon, j'imagine que cette règle était peut-être un peu trop vague à l'époque, donc progressivement, la règle elle s'est restreinte, ou elle a évolué, parce que parfois elle est devenue trop restreinte, justement. Donc, alors ça, c'était au départ, c'était en 1871. 8 ans plus tard, ils se sont dit, bon, bah, le gardien, tu peux faire plus de 2 pas avec la balle dans la main, histoire d'éviter qu'il parcourt 30 mètres sur le terrain avec la balle à la main. 4 ans plus tard, le gardien, il ne pouvait plus manipuler la balle à la main que dans son propre camp. Donc, imaginez, à la base, il pouvait prendre la balle à la main dans le camp adverse. Ça, c'est fou, dès lors ça. Que c'était pour protéger son but. Pour rentrer chez lui avec, c'était tout à fait normal. Bah, il protège son but comme ça. Il n'y a plus de balle pour jouer. Ouais, mais du coup, ça devenait du handball en fait. Le mec, il allait dans le camp adverse, il la prenait, il la lançait, il disait mais c'était pour défendre et puis ça passe quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est certainement pour ça qu'ils ont rapidement, je pense, restreint les règles quand même. Ensuite, en 1901, donc 30 ans après la réelle codification des règles, le gardien il pouvait manipuler la balle à la main. Et ce pour n'importe quelle raison, alors dès lors qu'il était dans son camp pour le coup, mais c'était plus uniquement pour protéger son but. Okay. Mais voilà. En fait tu me fais réaliser que Thierry Henry contre l'Irlande, il était juste du jeu quoi, c'est juste ça quoi. Il était gardien, protéger son but. Il était gardien. Maradona, voilà. Ouais, pareil. Maradona en fait c'était exact. Un gardien, c'est tout, le mec rêvait d'être gardien et voilà. Exactement. Ou ouais. Ils ont lu des anciennes règles et ils ont oublié que c'était plus forcément un joueur. Ouais, ça. Ah, donc en fait, c'est plus la main de Dieu, mais la main de vieux en fait. Parce que c'est un vieux truc quoi, en fait. Voilà. Pardon. Vas-y, continue. J'ai mis un blanc là. J'aime bien. 1912, donc 40 ans après le début des règles, le gardien il ne pouvait plus manipuler la balle à la main en dehors de sa surface de réparation. Ah, là, on commence à restreindre. 1931, le gardien il a le droit à 4 pas avec la balle en main, et plus 2. Donc là, on donne plus de droits. Et ensuite, entre 31 et 92, il ne s'est plus passé grand-chose. Et en 92, il n'avait plus le droit de ramasser la balle lorsqu'il s'agissait d'une passe d'un coéquipier. Ça, je pense qu'on l'a tous connu, la passe en arrière du défenseur vers son gardien. Bah jusqu'en 92, le gardien pouvait ramasser à la main. À partir de 92, il ne pouvait plus. Et enfin, en 97, dernière grosse évolution qui a été notée, le gardien, il a 6 secondes pour utiliser la balle, pas plus. Ok. Donc ça, c'était pour le gardien. Non, c'est vrai, ça a bien changé pour le gardien. Enfin, ça... Tu sens qu'il y a eu vraiment une vraie évolution des règles, en tout cas. Bah ouais, tu sens qu'ils étaient pas sûrs quand même. Hein, ouais, que c'est un rôle un peu spécial, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on donne comme rôle réellement à ce joueur-là? Ouais, j'avoue. Parce que les autres joueurs, ils en ont pas parlé du hors-jeu, mais j'imagine que le hors-jeu a dû connaître des évolutions à travers les temps. Ouais, aussi. Ouais, clairement. Si on parle du ballon. Pour le coup, le ballon, contrairement aux règles pour le gardien, le ballon n'a pas trop évolué. Toujours plus ou moins 70-71 cm de circonférence, un poids d'environ 400-450 grammes. Ce qui a évolué, par contre, c'est plus la matière utilisée. C'est-à-dire qu'avant le milieu du 19e, on prenait une vessie d'animal éventuellement recouverte de cuir pour essayer de faire un truc qui ressemblait à un ballon, enfin qui était plus ou moins rond. Ensuite, courant 19e, il y a M. Charles Goodyear, donc Goodyear des pneus, qui a introduit un ballon fait de caoutchouc, caoutchouc cuit, ce qui le rendait beaucoup plus résistant et qui permettait de le manipuler aussi beaucoup plus facilement. Et il était recouvert de cuir à l'époque, et petit à petit, le cuir a été remplacé par du plastique aujourd'hui.
Parce que bah, plus résistant, moins dangereux. Et il citait notamment l'exemple que lorsqu'il pleut, le cuir absorbe l'eau. Donc, du coup, le ballon il devient de plus en plus lourd. Là où le plastique, bien évidemment, il n'absorbe pas l'eau. Ok. Si je continue, le terrain de foot, alors ça, j'ai toujours trouvé ça surprenant. Ils en parlent aussi, vite fait. C'est qu'il n'y a pas de taille de terrain standard. Il y a des limites, hautes et basses, en termes de largeur et de longueur. Mais il n'y a pas de, vraiment de dimension obligatoire, on va dire. Ouais, donc typiquement, fou. La largeur, ça peut aller de 45 mètres à 90 mètres. La largeur. Et la longueur, de 90 mètres à 120 mètres. Ouais, tu peux avoir des petits stades et des grands stades au final. Tu sais que ça, je ne savais pas, et j'ai appris ça avec c'était Football Manager, tu vois, tu sais, enfin le jeu où tu es entraîneur, etc. Et effectivement, au début de chaque saison, ils te demandaient la dimension de ton stade, enfin de ton terrain, tu vois. T'sais, ils te demandaient est-ce que vous voulez un grand terrain, un moyen terrain, un petit terrain, quoi, en gros, avec des dimensions. Et la première fois que j'ai vu ça. Oui. Pardon, désolé, je crois que tu avais fini. Je vais juste dire, mais la première. Note après, vas-y. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais. Tu vois, genre, comment ça, je peux choisir la taille de mon terrain? Mais tu sais, j'avais 12-13 ans, tu sais, à ce moment-là, 13-14 ans, enfin. Et je comprenais pas, tu vois, je me dis, c'est bizarre et tout. Et je me suis renseigné, j'ai vu qu'effectivement, les terrains peuvent avoir des tailles différentes. Il n'y a pas de règle, comme tu dis, à cette kill. Je trouve ça fou, tu vois, qu'il y a un sport où finalement. C'est comme si, tu vois, genre, les tables de ping-pong pouvaient avoir des tailles différentes suivant les clubs, tu vois. Enfin, c'est fou, quoi. Pour la petite histoire, Giroud, de l'époque de ses ailiers magiques, qui étaient. Cocard, Vaiura, etc. Enfin non, Cocard était défenseur, mais il avait des ailiers magiques à l'époque, à la JOCR. Il avait un peu triché, et il l'a avoué dans sa biographie, en augmentant la largeur du terrain pour que les ailiers aient plus d'espace et qu'ils puissent mieux contrôler le ballon. Et il était un petit peu au-dessus des limites autorisées, et ça n'avait jamais été remarqué. Et ça a fait que OCR est devenu une équipe... imbattable à domicile en trichant pendant des années dire. Des années en trichant finalement c'est beau la belle mentalité aussi en bravo. Profitant d'une petite c'est la filouterie à la Giroud quoi ouais, c'est ça. Voilà et je vous conseille on parle de livre je vous conseille la biographie de Giroud écrite par Alexandre Alain qui est un ami à moi et qui est vraiment génial ok voilà. Ah bah c'est bon ok. Et juste, ouais, bonjour à Nostalgeek dans le chat et Chef Lindois qui dit arrêtez avec le ping-pong. J'avoue qu'à chaque fois qu'on fait une comparaison avec un sport, c'est toujours le ping-pong. On va faire ça à chaque fois maintenant. Chaque fois qu'on dit ah ouais, c'est comme si au ping-pong, blablabla. J'avoue, je sais pas ce qu'on a avec le ping-pong ce soir, mais oui, bon. On aime bien. Et donc, moi, je passe un petit salut amical à Quavara, Nostalgeek. Ah oui, pardon, oui, c'est Quavara, bien sûr. Oui. Que j'attends toujours de pied ferme en G11. Ça, c'est entre nous, ça. Un peu de tension, c'est beau. Et sur le terrain des foot, je vais terminer par ça, le stade Bernabéu du Real Madrid, je crois que il fait partie justement des stades les plus larges qui soient en Europe. Et par contre, je ne sais plus du tout quelle est sa largeur. Okay. Si on parle de records, il y a toute une série de records dans le livre. Par exemple, l'un des plus grands tournois de foot a rassemblé plus de 35 000 joueurs répartis en 5 000 équipes de 7 joueurs. Donc ça a eu lieu en 99 à Bangkok. Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a marqué le plus de buts pour un joueur de terrain. Pour un gardien de but, on a un gardien qui, en 1266 matchs pro, il a marqué 131 buts. Alors j'imagine que c'est sur coup franc, un truc comme ça. Il y a un joueur en France, en 42, en Coupe de France, pour le RC Lens, il a marqué 16 buts dans un match. Okay. C'est fou, ça. Capitaine, qui a été capitaine pendant 978 matchs. Un Brésilien de 2001 à 2015. Ah ouais, 900 matchs, quoi. Okay. Et Lev Yashin, célèbre gardien de but pour l'URSS, qui a joué dans les années de mémoire, dans les années 60, plus ou moins, qui a joué au Dynamo Moscou, il a arrêté plus de 150 pénalties. Pas mal. Ça, c'était pour les records. Ok.
Et jusqu'à présent, les équipes de foot européennes, donc de nations européennes, ont atteint toutes les finales de Coupe du Monde. Toutes, sauf deux. Et les deux, ça concerne l'Uruguay, en 1930 et en 1950. Et les deux fois, d'ailleurs, c'est l'Uruguay qui a gagné. Ah ouais, la première fois en 1930 face à l'Argentine, 4 buts à 2. Et la deuxième fois en 1950 face au Brésil, 2 buts à 1. Mais sinon, il y a toujours une nation européenne. Ok. Intéressant. Et ensuite, quelques petits fun facts rapides, alors plus ou moins rapides et plus ou moins fun. En moyenne, plus d'une blessure sur 20 survenant lors d'un match de foot est due à la célébration d'un but. C'était dommage. En 69, le Salvador a déclenché une guerre contre le Honduras après avoir perdu un match de foot. Pas, quoi. Alors, ouais. Alors il se trouve que c'était, bon, c'est dit comme ça, ça paraît fou. C'était dans un contexte de déséquilibre économique entre les deux pays. Et c'était un match éliminatoire pour la Coupe du Monde de 1970. Et qui s'est plus ou moins bien déroulé et qui a été un déclencheur de tensions de plus en plus fortes qui ont mené jusqu'à une guerre. Alors, la guerre, elle a duré 100 heures. Hein. C'est pas non plus une guerre de fou, j'allais dire. Mais bon, une guerre, ça reste une guerre, mais elle n'a pas duré très très longtemps. Et la Russie, elle n'a pas perdu contre l'Ukraine il y a un an ou deux, peut-être. Elle a perdu sa crédibilité, pardon. Oui, ça, effectivement. En parlant de guerre, en 67 ou 69, alors bizarrement, les sources ne sont pas d'accord sur les dates, il y avait une guerre civile nigériane qui s'est arrêtée pendant qu'elle a décrété un cessez-le-feu. Le temps de voir Pelé jouer un match d'exhibition dans le pays. Alors, ils ont décrété un cessez-le-feu de 48 heures, mais en réalité, le cessez-le-feu, il n'a pas duré plus longtemps que le match. Mais tout ça pour Pelé. Donc, Pelé était quelqu'un capable d'arrêter les conflits, guerres. Quoi. Les guerres, ouais. Faut qu'on envoie Messi en Ukraine. Ouais, c'est ça. Comme hein. Ça. Je vais mettre à l'honneur la Belgique. Ouais. Le plus jeune joueur de foot pro à avoir été engagé par un club de foot. Il avait 20 mois. Il a été engagé par un club de foot belge. Il n'y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Que c'était en 2013, de mémoire. Enfin oui, quand je dis pas longtemps, je dirais dans les années... oui, c'est ça, j'allais dire dans les 5-10 dernières années, quoi. Ouais, ouais. Je crois que j'en avais parlé, c'était du côté flamand. Et je crois que c'est ça, t'en avais parlé dans une chronique, effectivement. Oui, oui, j'en avais parlé, effectivement. Ouais. Mais oui, c'était du côté flamand et je crois qu'il est rien devenu, mais c'était juste un club qui s'est dit on va miser dessus très rapidement, très précocement, et puis finalement je crois que le joueur, quand on regarde maintenant, c'était un coup de poker bon, qui malheureusement n'a pas été gagnant. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. Oui, je me suis amusé à essayer de chercher et voir un peu la suite de l'histoire, mais bon, j'ai pas vu grand chose. Dur de trouver, ouais, je crois que c'est dur de trouver. Enfin, finalement, ça n'a pas été une grande star, quoi. Enfin, c'est pas encore fini, hein. Je pense qu'il est encore jeune, hein, mais... Espérons pour lui tout bonheur. On va dire que là, il a quand même. Ouais, il a 10 ans, là. Si c'était réellement en 2013. Ouais, il a peut-être 12 ans, un truc comme ça. Ouais, ou 12 ans, 10 ans. On verra peut-être que. Ah ouais, on sait jamais. Ouais, bon. Et deux dernières facts très très rapides. Le Groenland n'a pas le droit de rejoindre la FIFA. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que la FIFA exige que le pays. Dispose d'un terrain de foot où l'herbe puisse pousser. Ah ouais. Alors, ça va peut-être changer, hein, prochainement. Oui. Alors, le Qatar a le droit, mais pas le Groenland. Ah ouais, j'avoue, quoi. J'avoue que c'est un peu... Le Qatar est capable de faire pousser de l'herbe, hein. Il semblerait que ce soit plus facile de faire pousser les herbes dans le désert que sur la glace. Ouais, c'est ça. Mais bon, au rythme où ça fond, ça devrait le faire pour le Groenland. Ouais. Ouais, ça, malheureusement, si en deux ans, c'est bon. Malheureusement, ouais, c'est la prochaine nouvelle nation de football. Et dernière fact que tout le monde connaît, seuls les Américains et les Canadiens appellent le football soccer. Tous les autres pays du monde appellent ça le foot. Sachez que je me bats tous les jours pour que le Canada ne fasse plus partie de cette liste. Okay. Sachez-le. tu fais un lobbying quoi, intense. Le Canada, c'est aussi le Canada pour ça. Quand tu parles d'Atrick, c'est un jeu de soccer pour eux.
Bah, je continue à dire football, c'est... et ils comprennent. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Zed, c'était très sympa et j'ai passé un bon moment. Merci à toi. Il faut quand même souligner un truc, parce que le livre, avant de lui envoyer, je l'ai un petit peu feuilleté. Et on va dire que le livre, c'est des faits qui tiennent sur une ou deux phrases. Et ce qu'il a fait là, c'est que clairement, il y a un énorme travail de recherche pour détailler les infos, pour les mettre en musique, on va dire. Et franchement, bravo à toi, parce que tu as rendu ces quelques phrases super intéressantes en faisant un beau texte qui enrobait bien ça. Moi, j'ai adoré. Clairement. Bah, avec grand plaisir, merci. Et puis, ça a piqué ma curiosité. Du coup, je me suis amusé à aller chercher un peu à droite à gauche, à confirmer ou pas certaines infos, parce qu'il y en a certaines, j'ai pas réussi à les confirmer. Donc, du coup, celles-là, je les ai mises de côté. On parlait de fake news en début d'émission. Bah, voilà. C'est ça, c'est que des fois, ouais, il faut quand même vérifier, c'est de recouper les infos. La France vient de mettre un troisième but face à Chypre, sinon, pour info. Cool. Mais franchement, c'était une bonne surprise cette kill. Enfin, de toute façon, il reste avec nous maintenant. Bah, bien sûr, petite improvisation, et franchement, ça valait le coup. Je pense que dans le chat, vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire à cette kill ce que vous en avez pensé. Mais j'ai détesté sa rubrique, donc ça veut dire que Scalp et Popette a bien aimé. Les gens dans le chat. Je suis deg d'être arrivé trop tard. Oui. Non, je suis deg d'être arrivé trop tard, ça fait un moment la chronique de cette kill. Ah oui, non, cette kill ça a commencé, vers 21h05. Ouais. Ça fait comme une vingtaine de minutes, hein, cette kill, je pense. Ouais, 20 minutes quand même. Mais Quavara, ne t'en fais pas, il y aura la rediffusion sur YouTube. C'est ce que j'allais dire. Ah, parfait, ouais, il faut le dire. Non, mais c'est vrai. Et en plus, sur YouTube, on pourra mettre, pour faire cliquer les gens, on pourra dire finalement émission avec cette kill qui nous fait un. Entre autres, tu vois, mais on dit toujours un invité, bah là, ce sera finalement cette kill qui parle des faits sur le football. Donc, c'est super intéressant, en tout cas. Non, mais vraiment, donc, c'était chouette, en tout cas. Donc, du coup, Zed, pour la prochaine cagnotte, soirée de Noël, tu vas remettre un autre livre dans les cadeaux, comme ça fera du boulot pour quelqu'un d'autre, c'est ça? Ça peut être l'idée. Après, il n'y a rien d'obligatoire, mais effectivement, celui qui gagne le livre physique, hein, souvent sur des fun facts, après, ce ne sera pas forcément sur le foot. Mais si ça l'intéresse, effectivement, le cadeau, ça sera, on verra, c'est à voir, mais ça peut être une idée. Le livre, plus un passage à l'antenne pour faire une rubrique. Mais après, tout le monde n'est pas forcément à l'aise, donc il n'y a pas d'obligation. Oui, non, ça reste un cadeau. On peut juste savourer le livre. Après, c'est kill, tu pourras revenir faire une autre rubrique si tu veux. Ça sera 50 faits surprenants sur le soccer. La version canadienne. Personne ne sera pas là ce jour-là. Ouais, c'est ça. On va l'offrir à la personne. Je vais m'énerver. Il va sortir sa casserole. Ou non. À chaque fois que vous allez dire soccer, je dirais non, c'est football. Non, mais moi je dis jamais soccer, on est d'accord. Enfin, non, pareil. Enfin, c'est vrai que. Mais moi c'est marrant parce que vu qu'en Europe on dit football, quand on parle de soccer, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un dérivé du foot, un genre de foot, mais pas vraiment du foot, quoi. Non, c'est pas l'impression que ça vous donne, vous, que c'est un autre sport, en fait, limite. Mais si, mais en fait, moi, le soccer, je vois ça comme surtout aux États-Unis, tu vois. Enfin, en fait, oui, un peu le Canada indirectement. Mais parce qu'en fait, le football aux États-Unis, c'est un autre sport, en fait. Enfin, le football américain, non, tu vois. C'est l'américain de soccer, en fait. Du coup. Oui, mais quand tu parles football aux États-Unis, tu parles de football, eux, ils pensent pas à notre football à nous, en fait, tu vois. Exactement. En fait, aux États-Unis, c'est football américain. Exactement. Football, c'est football américain. Et c'est pour ça. Quand tu dois préciser football, mais celui qui se joue avec les pieds, tu sais, celui en Europe, tu vois, c'est plus simple, soccer. Tandis que eux, leur football, il y a sans doute plus le ratio de blessés, célébration ou match, doit être plus vers les blessures pendant le match. Quoi. C'est possible. C'est quand même des barbares, hein, là-dedans. Moi, je fais ça, 5 minutes, je suis en plusieurs morceaux. Quoi. Okay, ils ont des protections quand même. Hein, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Même avec des protections, moi, tu fais un puzzle de Z en fin de match. Hein. J'adore le football américain et je me rappellerai toujours de mon premier match de football américain que j'ai regardé. C'était un Super Bowl entre les New Orleans Saints contre Indianapolis. Et en fait, l'une des premières actions, il y a deux défenseurs qui vont tête baissée l'un contre l'autre et leur casque se brise et il y a des morceaux de casque qui tombent sur la pelouse, tellement ils sont à l'effort. Donc tu te dis, heureusement qu'ils avaient le casque. Ouais. Sinon, ça aurait été des morceaux de crâne qui seraient sur la pelouse. Quoi. C'est fou, quoi. Clairement. Et comme dit Chef Lindon, hein, c'est pas pire que le rugby. J'étais justement en train d'y penser, et surtout que le rugby, pour le coup, les protections, c'est quand même nettement plus faible. Hein. C'est fou, quand même.
Ben ok, bah tip top en tout cas pour la chronique. Je pense qu'on peut peut-être passer au quiz si ça vous va. Oui. Ouais. Pour enchaîner avec le quiz de Darcel. Il est prêt. Et donc comme on avait dit, c'est vrai qu'on avait dit ça à la pause entre nous, mais c'est vrai que finalement dans le chat vous pouvez être content parce que cette kill ne pourra pas participer au quiz. Et ça c'est cool pour vous. Vous avez peut-être gagné. C'est ça, il y a une chance de l'emporter en tout cas dans le chat. Mais oui. Pour gagner on est d'accord, il faut donner une bonne réponse au moins. Il faut au moins si personne donne de bonnes réponses, il se passe quoi? Ben j'avoue. Bon sur cette question on espère bien qu'il y ait quand même au moins une bonne réponse, j'espère. Et Larcel, c'est à toi. Je sais que tu as ton message habituel, hein, ton disclaimer. C'est ça, mon petit disclaimer qui est comme d'habitude de rafraîchir votre page. Donc soit vous quittez l'application, vous la relancez pour ceux qui sont sur mobile, ou vous faites un petit F5 si vous êtes sur ordinateur. Ne vous inquiétez pas, on vous laisse une bonne trentaine de secondes pour vous taper l'habituelle pub de Jeff Bezos. Sauf cette PayPal qui s'est abonné, il n'aura pas la pub. Voilà, exactement. Si vous vous abonnez, vous aurez une question en plus parce qu'on va la poser dès maintenant. Non, on vous laisse le temps et du coup, on aura un petit quiz. Pour l'instant, j'ai 5 questions. On verra si j'en rajoute pour départager. On va voir. En tout cas, j'en ai préparé 5. Et j'en ai 6 ou 7 de tête pour la suite. Ok. Et vous allez voir, vous avez peut-être découvrir des choses sur ces questions. Donc, maintenant que j'ai bien meublé, je pense qu'on va être prêt pour lancer la première question. Vous en pensez quoi? On peut lancer? Oui, clairement. Tu prends les scores ou... Oui, tout à fait, je note. Darcel me dira juste à qui va le point, puisque c'est lui qui a la réponse. Parfait. Je mets ça sur notre Discord. Alors, on va commencer par la première question. Vous allez me dire... Quelle équipe a le plus beau logo de Hattrick et objectivement? Je veux que ce soit objectif. Okay. Et si je vous dis objectivement, c'est qu'il y a peut-être un petit truc pour trouver ça. Peut-être. Je vais chercher. Donc Etlechbot ne payera pas, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça payera plus tard. Parce que je sais pas, moi j'aurais dit Darcel. Hein, mais si, je sais, ça y est, ça me revient. Moi, je pense ça payera plus tard d'être Lechbot, c'est tout. Attends, faut que j'arrive à retrouver ça. Ok, j'ai trouvé, je pense. Moi, je pense que j'ai trouvé. Mais par contre. Mais je sais plus où on trouve ça. On dit objectivement Xav qui dit le mien. C'est pas la définition d'objectivement. Alors qu'on sait que c'est le mien. Mais ça m'a fait rire. Alors que non, c'est le mien, oui. Allez, je vais donner un gros indice sur Hattrick. Il y a une fonctionnalité qui est plus trop connue. Mais on peut noter les logos des clubs. C'est ça. L'autre jour, je me suis amusé à en noter une dizaine. Voilà. C'est une fonctionnalité qui est toujours restée très cachée. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est sympa. Ah, et du coup, si vous trouvez la fonctionnalité, je pense que vous trouverez la réponse. Voilà. Plusieurs réponses. C'est un gros indice. Hein. Non, il n'y en a qu'une. Il y a même un classement pour vous aider à ça. Ah, ok. Bah alors moi, je ne suis pas sur la bonne page, alors je pense. Je me souviens plus, c'est la fonctionnalité, elle est réservée aux supporters ou pas? Non, tout le monde peut voter. Ah bah tiens, ça y est, je viens de la trouver. Ouais. Et Chef Lindois, si tu as loupé la question, elle est juste au-dessus dans le chat, je vais la redire. C'est quelle équipe a le plus beau logo de Hattrick, objectivement? Et je vois que vous galérez, ça fait plaisir. Mais alors, est-ce qu'on a le même numéro 1? En fait, c'est ça, je pense, ça que je demande. Oui. Parce qu'en fait, ça joue à des décimales. Ce que vous voyez, c'est des étoiles, mais il y a des décimales derrière. Ok, ça marche. Ah, ça fait moins le malin dans le chat hein, quand il n'y a pas cette kill pour carry, comme on dit. Surtout que j'ai trouvé, là. Ouais, c'est ça, cette kill l'a trouvé, mais il ne peut pas répondre, donc profitez-en. Vous l'avez pas dans le chat? Après, sur smartphone, j'avoue que je sais pas s'il y a ça, tu vois. Bah, ouais, tu peux accéder au site, classique sur smartphone. Ah, c'est ça. Complètement. Bah, tu peux théoriquement, si tu cliques sur le menu Home, enfin sur le bouton rond de ton téléphone, et que tu as Twitch va se mettre en mode fenêtré sur ton téléphone. En tout cas, moi, c'est le cas sur mon téléphone, et du coup, tu peux naviguer sur d'autres applications en gardant Twitch surtout à l'écoute. Quoi. Quelle équipe quoi ça bug, et... ça bug. Et du coup, je vous conseille d'aller sur l'onglet Communauté. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer que ça bug pas, juste au cas où? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont l'air de dire que ça bug, mais.
Non, non, ça ne bug pas, on t'entend parler. Et Nina, la bonne réponse. Bien joué, Nina. Yeah, Nina, la bonne réponse, bien joué. Premier message, bonne réponse. Alors, je vais me tenter à prononcer le nom du club, c'est le Karkilan Dynamo. C'est un club qui a un très joli logo, très, très, très travaillé. Et si je ne dis pas de bêtises, ça fait même longtemps que ce logo est en tête du classement des 5 meilleurs logos. Et en fait, si vous allez dans Communauté, que vous allez sur Notes des logos, vous avez une fonctionnalité pour tomber au hasard sur des clubs et pour noter leurs logos un par un. Et vous avez le Karkilan Dynamo qui a un petit peu plus de 3,5 sur 5, qui est donc premier. Donc bravo Nina. Le son de cette kill n'est pas clair pour moi. Ah bon, cette kill parle un peu. Ah, 1, 2, 1, 2. Je pense que ça va, non? Les gens se seraient plaints. Écoute, chef Lindois, désolé. C'est peut-être chez toi, malheureusement, mais normalement, ça devrait être bon. Ok. Ah, c'est parce que je ne lui ai pas envoyé la réponse par HTML, ça. Ah, c'est pour ça, en fait. C'est ça. En fait, c'est dans le WhatsApp que tu as envoyé que la réponse, que c'est pas clair. Quoi. Enfin, bref. Et du coup, ça fait un point pour Nina. Et on va passer à la deuxième question. Elle va être un petit peu plus simple, normalement, j'espère. Vous allez devoir me donner le nombre de sélections de Abdellaoudoud, puis la pompe, Kandli. Donc, si vous vous demandez qui c'est tout simplement la star du Sedan FC. Mais vraiment la star. Et si vous vous demandez qui dirige le Sedan FC, vous avez un petit indice auditif depuis quelques minutes. Voilà. Allez, Sedan. Voilà, un autre indice auditif. Donc, si vous cherchez au hasard proche d'un certain 7 kills, vous allez potentiellement tomber sur une star dans son pays. J'aimerais que vous me sortiez le nombre de sélections qu'a cette star dans son pays. Technique, hein. Technique ton quiz hein, ce soir, mais c'est pas mal, c'est intéressant. Eh oui. Ça fait chercher les gens. Alors. Mev 22 a la bonne réponse. Effectivement, c'est 28 sélections en U21. C'est énorme. Hein. En général, en U21, les joueurs tournent autour d'une dizaine de sélections. Là, il a 28 sélections. Et il a d'ailleurs aussi un coupe bronze en Coupe d'Afrique. Donc, c'est une véritable star. Clairement, là, c'est bien. Fier de ton poulain, cette kill. Ah bah, plus qu'un peu, ouais. En plus, un joueur maison, il a le petit cœur qui va bien. À la base, c'est un défenseur imprévisible que j'ai transformé en gardien imprévisible. Ah donc, ouais, pas mal. Ouais. Beau profil et je compte bien le mener en A. Donc là, j'entame la longue traversée du désert pendant quelques années, mais ça va être fun. Et d'ailleurs, il est déjà dans la présélection de l'équipe nationale. Alors bon, ça, j'imagine que c'est plus pour garder un œil sur lui, mais ça fait tout le plaisir. C'est ça, exactement. Et du coup, ça fait un point pour Mev22. Et on va passer à la troisième question. J'aimerais que vous me sortiez le nom de l'équipe qui a le plus grand nombre de victoires consécutives en Algérie. Donc, Alpa Dapidu, il s'attendait à ce que je pose une question sur la consolante, mais pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Donc, j'aimerais que vous me sortiez l'équipe qui a le plus grand nombre de victoires consécutives en Algérie, et de très loin, si je peux me permettre un petit commentaire. Ça reste l'Algérie, hein. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça, c'est une donnée que vous pouvez trouver dans les statistiques de la Ligue Algérie. Ok. Je vais dessus aussi hein, pour vérifier. Je fais le test Algérie. Okay. Pourquoi j'ai pas les stats? Ah, j'ai pas les mêmes stats non plus, mais ouais. Il doit y avoir. Il y a un truc. Il doit y avoir un truc. Ouais, je l'ai pas non plus, mais. Je pense que je sais. C'est pointu ce soir, nous dit Chef oui. Lindois. J'avoue que c'est pointu. Là. Ouais, qu'est-ce que je suis content de ne pas y être.
Attends, moi, j'ai... en fait, je le trouve pas. Moi, j'aurais tapé une réponse, tu vois. Je pense que j'aurais tapé une réponse. Mais. Ah non, il y a d'autres satis. Ok, ok, je viens de comprendre. Ok. Ah ah, il trouve. Allez, voilà. Petit indice, il faut aller par monde, ouais. Puis statistique. Alors c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas trouvé là. Là où je suis content, c'est le nom que j'aurais tapé, tu vois. Parce que t'as donné un indice indirectement dans la question. Ah, oui, j'en ai donné plusieurs, oui. En fait, plusieurs, ouais, c'est bon. Et la Belgique qui va mettre un troisième but face à l'Ouganda, sinon pour information. Très bien, très bon résultat de la Belgique hein, d'ailleurs face au Ouganda. Effectivement, Kaker le Belge a la bonne réponse. C'est le magnifique club du Viridis Kuo FC qui est entraîné. C'est un manager pourri, ça non? J'ai regardé, je sais pas qui c'est. Ce serait pas le, oh, en plus, le même qui vient de gagner la. Ah ouais. Ouais, c'est ça, il vient de gagner la consolante. Je me disais que ce nom me disait quelque chose. Je crois que c'est un génie. Je pense que ça doit être un génie. T'as pas hacké son pseudo par hasard? Ça doit être ça. Et effectivement, Kaker le Belge qui a la bonne réponse. Je suis tombé à tout hasard parce qu'en fait, quand je fais le quiz, à chaque fois, je vais sur les statistiques pour trouver une statistique marrante. Et je me suis dit, tiens, ça tombe en premier sur ta ligue. Et ma ligue, c'est l'Algérie, là. J'avais sélectionné mon club, je me suis dit, ah ouais, il a quand même de l'avance le mec qui est premier, et c'est moi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir et je tenais à partager cette info. Alors, du coup, en route pour le championnat là, non? Ah, j'arrive. Les Masters l'année prochaine. Petite précision pour les gens qui jouent avec nous, il y a Scalp et Popette qui dit, je cherche plus, j'ai la flemme, monte-nous ton écran. Quavara qui nous dit, moi ça rame trop pour faire deux choses à la fois. Chef Lindois qui dit, je suis sur tel, j'ai pas envie d'ouvrir à trick. Autant dire qu'on a une équipe du tonnerre dans le chat. Attention, c'est pour ça que ça met du temps à trouver les réponses. Heureusement, il y a quand même Kaker, Nina, Super Squeak. Il y a quand même des gens qui cherchent, tu vois. Mais tu sens que le chat, les 10 crédits, tu vois, ils sont gâtés. On les a gâtés depuis le début. Là, les 10 crédits, ils en veulent même plus, quoi. On va passer sur la quatrième question. Une question qui ferait plaisir à Télès. J'aimerais que vous me sortiez le produit CHPP qui a le plus d'utilisateurs. Ah, ça, c'est si je vous demande ça, alors, c'est que c'est une information qui est trouvable sur le site. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais dit sans regarder, tu vois? Moi, j'ai une idée, mais je pense que c'est pas celle-là, tu vois. Et effectivement, voilà. En fait, si j'ai posé la question, c'est qu'il y a une idée toute faite qui sort et c'est pas ça. Ok. Mais je vois, genre, Chef Lindois propose Youth Club, tu vois, notamment, dans celles qui sont les plus connues, entre guillemets, tu vois. Ouais, et non, c'est pas ça. Moi, je peux me permettre, hein, parce que je suis sûr que c'est pas la bonne réponse que je vais dire. Bah, quoi que non, on va laisser les gens dans le chat. Je vois qu'il y a des gens qui proposent Portal. Bah, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. C'est Atric Portal, effectivement. Donc, je vais vous sortir la stat exacte. Il n'y a pas eu une info sur le sujet En fait, moi, je serais parti sur le fait que c'était... Foxtrick, moi, je pense à Foxtrick aussi, installé, voilà, qui était installé par beaucoup beaucoup de gens, mais non. C'est cool, Atric Portal, qui est un outil extrêmement utile aux équipes nationales. Et d'ailleurs, je recommande très fortement aux gens de mettre à jour leur équipe sur Atric Portal. Ça va permettre de détecter vos jeunes talents. Et si vous allez sur Communauté, vous allez sur Produits CHPP. Vous allez avoir un nouveau menu sur la droite. Et quand vous cliquez sur tous les produits, c'est un petit peu caché hein, quand même. Hein. Vous allez avoir tous les produits et vous pourrez trier soit par nom de produit, développeur, note des utilisateurs ou tout simplement nombre d'utilisateurs. Okay. Et on voit que Atric Portal est premier avec 70 000 utilisateurs. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup, franchement. Je confirme peut-être qu'il y avait une actualité sur les 10 premières applis CHPP, ouais, avec les managers, enfin les managers, les développeurs de ces applis plutôt, qui avaient gagné un supporter platinum, enfin diamant à la place, enfin, okay. pour être les 10 premiers, quoi. Mais c'est là où j'ai dû le voir aussi certainement, où j'ai vu que c'était pas Foxtrick non plus, j'étais étonné, quoi. Et du coup, ça fait un point pour Mev22, bravo à lui. Ah, bien joué. Et qui prend la tête, hein. C'est ça. Et enfin, est-ce qu'on va pouvoir départager tout le monde avec cette question? J'aimerais que vous me sortiez, pour la cinquième question, quel est le plus vieux pays africain sur Atric? Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que quoi? C'est une question, ça. Et oui, ça c'est une information qui peut être trouvée.
Et c'est intéressant. Je ne vous dis pas tout de suite où. Ouais, ça je sais. En fait, j'ai une manière de le savoir, mais trop compliquée, tu vois. Donc ça doit pas être ça. Non, c'est... Ouais, c'est... j'ai trouvé. Et si je peux donner une information, le plus jeune pays africain, c'est Burkina Faso, qui vient d'entrer sur Atrique, qui est dans sa première saison. Il y a un pays qui est... Exactement. Et il y a un pays qui est arrivé très très tôt sur Atrique, parmi les pays africains. Et Nina a la bonne réponse. Effectivement, c'est l'Afrique du Sud qui en est à 72 saisons. Donc, pour savoir ça, en fait, vous allez dans Monde, vous allez dans Ligue, et vous avez la liste des ligues qui est triée par ordre alphabétique. Bah, si vous cliquez sur saison, ça va trier par nombre de saisons, tout simplement. Ah, moi, je ne peux pas cliquer sur saison. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre, tu vois. Chez moi, je ne peux pas cliquer sur saison, c'est fou. Ah, c'est bizarre. Attendez. Si, moi ça marche. Hein. Ah, ok. Bah écoutez, c'est que c'est un bug chez moi. Je ne sais pas. Ok. C'est fou. Parce que j'avais vu cette page-là et je me disais, mais c'est trop compliqué de devoir tous les regarder et tout, tu vois. Enfin, mais bon, ok. Bizarre. En tout cas, c'est le premier nom de la liste qui s'affiche. Donc. Ouais, c'est ça, par contre. J'aurais pu deviner au hasard. Attends, juste parce que, pour revenir, parce qu'il y a Kaker le Belge qui dit désolé, mais Atrique Portal n'est pas la bonne réponse. On est pour la VAR, les débats et tout, mais. Dis-nous, Kaker le Belge, ce que tu en penses. Enfin, c'est quoi l'idée? En fait, la bonne réponse, c'est Atrique Portal Tracker. Parce que Atrique Portal, en tant que tel, c'est le cinquième. Portal n'est que cinquième. Ah, tu veux dire, ok. Ah, enfin... Atrique Portal Tracker. Ah, mais personne n'avait donné la réponse complète. Ah, oui, non. Effectivement. Mais c'est bien pour la précision. C'est bien pour la précision, comme ça. Effectivement, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre Portal et Portal Tracker. Bon. Donc, vu que personne n'a donné la bonne réponse complète, on va continuer de donner la bonne réponse à Mev22. Parce qu'on voit qu'en plus, il l'a écrit à la main. Ok. Mais merci, Kaker le Belge, pour la précision. C'est intéressant parce qu'effectivement. Ah, donc attends, ça veut dire qu'en plus, c'est même pas Atrique Portal, c'est Atrique. Ah, mais Atrique Portal Tracker, c'est ce qui. C'est peut-être le lien qui permet, tu vois, à d'autres programmes aussi de. Pour expliquer, Portal Tracker, c'est juste, tu vas sur le site et tu récupères. Enfin, tes joueurs sont récupérés pour voir si tu as un joueur qui serait intéressant pour une équipe nationale, etc. Et Atrique Portal tout court, c'est utilisé par les sélectionneurs et par les adjoints, la DTN, etc. pour voir les données qui sont mises. Ok. Donc c'est ça la différence entre les deux. Moi, par exemple, j'utilise énormément Atrique Portal pour voir les joueurs qui pourraient être intéressants pour les sélections. Ok, comme ça au moins on a la réponse vraiment complète. Merci Kaker, c'est bien pour la précision, effectivement. C'est... Comme ça on ne dit pas des bêtises non plus. On ne dit pas que des bêtises. C'est ça. Et pour rappel, le tracker français, le tracker de la DTN française, il est la 10e appli CHPP. Donc c'est beau. Cocorico. Dans le top 10, quoi, j'avoue, c'est bien. Et Scalp, il a raison. Il y a aussi l'Égypte comme pays le plus vieux en Afrique. Oui, ça aurait été accepté aussi, parce que c'est le même nombre de saisons. Et on a une égalité, si je dis pas de bêtises. Non, si c'est Mev qui a le point. Si je dis pas de bêtises, non, Nina a deux Nina. Points et Mev a deux points. Ah d'accord, ok, donc c'est bien Nina. Ok, d'accord. Donc c'est ce que j'avais, donc oui. Enfin, c'est ce que j'avais un doute. Donc 2-2 et Kaker qui a un point. Mev 2, Nina 2, Kaker 1 point. Donc nous avons effectivement une ex-aequo. Ouais. Et du coup, on va tomber sur la sixième question qui sera juste pour départager nos deux premiers, mais vous pouvez y participer aussi. Le plus important, ce sera que soit Nina, soit Mev donne la bonne réponse en premier. La question que je vais vous poser, c'est, je l'écris en même temps, comme ça il n'y aura pas de triche. Hop. Voilà, c'est bon, je l'ai écrit. Combien de régions y a-t-il dans Atrique? Donc, combien de régions au total? Comme vous le savez, vous pouvez choisir dans quelle région évolue votre équipe. Souvent en Bourgogne, en PACA, n'importe quoi. J'ai des exemples au hasard. J'aimerais que vous me disiez combien il y a d'équipes au total, dans toutes les ligues, tout confondu. De régions au total. De régions, oui, effectivement. Et MEP22 a
tout de suite la bonne réponse. Donc je crois qu'on a un grand gagnant incontestable. Et attends, bien joué, c'est où alors là, c'est... Ouais, c'est où l'info franchement. Alors en fait, tout simplement, vous allez sur l'onglet Monde, et tout en haut, vous avez le monde de Hattrick, et en dessous, il y a marqué le nombre de ligues, le nombre de régions, et le nombre de saisons au total. Bravo, donc c'était très rapide à trouver, mais fallait le savoir. Et c'est 2740 régions, ça fait beaucoup. Ah ouais, celle-là. Ah oh oui, c'est en petit. Ah oui, ok, je le trouvais pas, mais en fait, oui, c'est vraiment juste en dessous de le monde de Hattrick, hein, tout en dessous, enfin, au-dessus de la planète bleue, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Ah. Et du coup, on a notre grand gagnant, Mev22, qui a 3 points. Et je vais laisser Z faire la suite de ce classement. Et donc, du coup, c'est Mev22 avec 3 points, suivi par Nina avec 2 points et Kaker le Belge avec 1 point. Eh bien, bien joué à vous. Question habituelle, Mev, est-ce que tu as 3 possibilités ? Est-ce que tu prends les crédits pour toi ? C'est 10 crédits. Est-ce que tu prends 10 crédits pour toi ? Est-ce que, il a déjà répondu. Les crédits dans la cagnotte, j'allais dire. Est-ce que tu les offres à quelqu'un ou est-ce que tu les mets dans la cagnotte ? Mais attention, Mev, petite précision, tu peux les prendre pour toi et c'est même encouragé que tu les prennes pour toi si tu les veux. Hein. Enfin, il ne faut pas se sentir obligé par notamment Scalper et Popette, un peu le mafieux du chat, tu vois, qui essaye de mettre des fusils sur la tempe des gens pour mettre dans la cagnotte. Tu n'es pas obligé, hein, bien sûr. Mais c'est beau. J'avoue que c'est beau. Et du coup, bah, s'il les donne, il y a 130 crédits dans la cagnotte de Noël. Quand c'est belle, la cagnotte, hein, mine de rien. Comment ça mais à Noël, celui qui les a, il les prend. Interdiction. Bah, de toute façon, non, mais là, on est d'accord. En fait, à Noël, celui qui gagne, soit il les prend, soit il les offre à quelqu'un. En gros, ça sera ça l'histoire. Mais il n'y aura pas de. Dans la cagnotte. Non, il n'y aura pas de nouvelle cagnotte. Bon, si un jour on trouve une cagnotte donc, de 12 000 crédits. C'est, on les gagne à l'issue d'un quiz. Moi, je croyais que c'était on les gagnait, tu sais, dans les cadeaux de Noël qu'on peut gagner. Ah, ouais, ça sera dans les cadeaux de Noël. Ouais, dans les boules. Okay. Tu sais, on dévoile les boules de Noël. Ouais, quoi, dans les boules. Ouais, si on fait toujours le calendrier de l'avant, mais oui, ça sera comme ça. Enfin, ça sera. Oh, oui, non, ça sera gagné. Ça sera pas un quiz, ça sera gagné effectivement ça. Et n'oubliez pas d'ailleurs pour ceux qui gagneraient des crédits dans les semaines ou à la cagnotte de Noël, les crédits sont de plus en plus utilisé sur Hattrick, que ce soit pour lancer un tournoi, que ce soit pour changer la tête d'un de vos joueurs, pour donner un surnom à un de vos joueurs, enfin il y a plein d'utilisations des crédits, donc vraiment n'hésitez pas à les prendre. C'est toujours utilisé de temps en temps. Mais 22, tu as encore le temps de changer ta vie, si jamais. Là, tu es super. Mais en tout cas voilà. Les 100 replay aussi. Les replays, c'est hyper pratique pour savoir si vous vous êtes fait voler un match ou quoi que ce soit, pour faire des matchs de ladder. Il y a beaucoup d'utilisations. J'étais le premier à faire pourrir mes crédits dans mon coin, mais en fait, ça peut être pratique. Clairement. Tu verras qu'ils vont faire une nouvelle mise à jour 2 semaines avant Noël, ils vont supprimer les crédits. Mais bon, on trouvera autre chose. Ouais, c'est ça. On fera un équivalent, c'est pas grave. Ouais, non, bien sûr. Mais ok, ça marche, franchement, c'était... Bah, merci beaucoup, vous pouvez remercier Mev dans le chat aussi, et merci cette kill, en tout cas, d'être passé à l'improviste, c'était cool, on a appris pas mal de choses sur le foot, c'était vraiment ultra intéressant, en tout cas. Merci à vous, et du coup, les résultats des matchs, ça donne quoi ? Alors, pour les matchs, bien vu, c'est vrai que parfois on oublie, tu vois. Et la prédiction aussi, la prédiction. Alors, on va commencer par le match de la France, la prédiction, ouais. Donc, pour la France, Z, tu veux faire les résultats, je l'ai fait, tu me dis ? Oh, bah, je vais les faire, comme ça j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose ce soir. Pas de soucis, vas-y. Donc du coup pour la France, Chypre 1, France 4, pour la Belgique qui joue face à la Croatie, c'est la Croatie qui gagne 1-0, en U21 la Belgique face à l'Ouganda, c'est la Belgique qui gagne 3-0, et le match Sénégal-Oman se termine sur un nul 0-0. Et pas mal. Du coup, j'ai terminé la prédiction et on a 44% de gagnants avec 3 ou 4. Gros 4 qui est validé. Ok. Et d'ailleurs, il y a Petit Bac qui récolte 5000 HT Actune grâce à cette prédiction. Donc, bravo à lui. Et voilà. Allez voir le. Comment ? Le groupe. Le classement, pardon, de l'équipe de France. C'est de plus en plus serré, c'est assez impressionnant là. Attends, on va regarder le classement. Je vais l'afficher sur l'écran, comme ça tout le monde pourra le voir. Match international. Triskel, la première place est encore possible. Et ouais, clairement, il est qu'à 2 points de la première place, mais il est aussi à 2 points. Non, il est même à égalité avec la zone d'élimination. Donc, c'est chaud, c'est chaud comme pas possible, mais en tout cas, c'est.
C'est un sacré suspense, c'est pour la 15, semaine 15, prochaine. 13-13-0, ouais. La semaine prochaine sera décisive avec un match contre la Suisse pour la France. Excellent. Et en plus, le pire, c'est que la Grèce, qui est actuellement éliminée, qui est cinquième juste derrière la France, elle joue contre Chypre, qui lui assure quasiment une victoire. Et la Suisse donc, aussi. Voilà, ça va relancer tout ça. Et nous, on va se taper les deux premiers, c'est pas dur. Suisse et Bulgarie. Ouais. Effectivement, ça va être vraiment tourné. C'est pas gagné tout ça. C'est pas gagné, mais on a notre destin en main. Donc, bon courage à Triskel pour les nœuds dans le cerveau. Mais on sera content de suivre tout ça. Clairement. Et Claudicus qui se dit... Salut d'ailleurs, Claudicus, qui dit « Je n'aimerais pas être à la place du sélectionneur de Chypre. J'aimerais pas être à la place du sélectionneur de France, hein, moi, personnellement. » En fait, le sélectionneur de Chypre, pour expliquer, ouais. quand on lance une Golden Generation, dans 99% des cas, c'est annoncé au moment de l'élection. C'est rappelé très souvent sur les sujets de match pour que les gens ne soient pas étonnés qu'il y ait des défaites qui sont enchaînées. Ouais, voilà, donc c'est un peu normal, on va dire, ce résultat-là, c'est un peu attendu. Bon retour à Quavara aussi, qui était en voiture et qui s'est garé pour parler avec nous. Bien joué. C'est beau. Et vous avez oublié un résultat, je me permets, parce qu'il n'y a plus la Shkoumoun de Haïti. Haïti a gagné 2-1 contre l'Indonésie. Excellent, ils sont quantième Haïti maintenant en Coupe des Nations. On est replacé, on est cinquième, je crois, mais c'est surtout qu'on est de plus en plus proche de la qualification pour les playoffs. Ouais, c'est ça. Qui se situe à la barre fatidique des 30 points, donc on s'en rapproche. Et alors, pour finir et conclure en beauté, petit club qui avait demandé un match nul 0-0 dans la tribune des supporters pour le Sénégal, et c'était le cas. Donc avec ce 0-0, on va juste regarder ce que ça donne pour le Sénégal avant la dernière journée. Le Sénégal qui passe deuxième, incroyable. Donc on est quand même au T2 de la Coupe du Monde avec un Sénégal un peu chanceux, entre guillemets, ça c'est les termes de petit club, enfin, tu vois que tout s'est bien passé. Et le Sénégal va affronter qui en dernier? Bah, c'est pas la Slovaquie, c'est pas Oman, donc ça doit être... non, c'est la Slovaquie, c'est pas la Slovénie, voilà ça. Ce sera la Slovaquie qui est première. Ah ouais, ok, ouais. C'est vraiment un gros match en fait, là aussi. Ouais, mais c'est peut-être une très bonne chose parce que la Slovaquie, qui est première et qui a largement assez de points d'avance pour s'en foutre du résultat, va pixer. Obligatoirement pour préserver son TS. Et du coup, bah, ça va peut-être faire les affaires du Sénégal. C'est une très bonne chose. Par contre, c'est victoire obligatoire pour le Sénégal. Hein. Quasiment. Parce que la Slovénie ou Oman, il y en a sûrement un des deux qui va gagner ou faire match nul. Tu vois. On va dire si Sénégal fait match nul, en face, ils doivent faire match nul. Si Sénégal, ouais. Sinon, le Sénégal doit gagner, quoi, en gros. Pour s'éviter des nœuds dans le cerveau, une victoire, ça serait mieux. Voilà, c'est ça. Là, la victoire, ça serait sympa. Donc voilà, on suivra tout ça de toute façon la semaine prochaine aussi. Ben voilà, merci beaucoup à vous dans le chat. En tout cas, c'était cool. On a passé un bon moment aussi en votre compagnie. Merci beaucoup à Setkill, Alpa, Darcel et Zed. Merci à vous. Merci, groupé. Merci beaucoup. Exactement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et on laisse le mot de la fin à Setkill, alors, comme il a fait l'honneur, en tout cas, d'avoir présenté la chronique. Eh ben, merci à vous, bonne soirée à tous. Et comme dit Scalp, je retourne du côté du petit peuple du chat la semaine prochaine avec grand plaisir. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye.